C'est un beau sujet et qui finalement n'est pas si décalé que ça avec l'actualité brûlante de ce qui se passe en Russie, parce que de plus en plus, on constate que les événements sont puissamment interconnectés. Et je remercie tous nos invités et je laisse la parole à Gallagher Fenwick qui a bien voulu animer cette réunion. Merci Philippe, merci beaucoup et surtout merci à vous toutes et à vous tous qui êtes là. J'ai énormément de plaisir à vous voir. Je suis toujours très ému quand je vois des gens qui prennent sur leur temps pour venir dans une salle écouter des penseurs, proposer des réflexions, déployer leurs pensées. Et en plus de cette amitié, j'ai beaucoup de respect pour vous toutes et vous tous parce que j'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à arriver jusqu'ici. Le trajet était quand même homérique. Je ne vais pas vous le raconter en entier, mais j'ai commencé par aller jusqu'à Bastille pour me retrouver ensuite à Châtelet. Ensuite, voilà, il y avait des cyclopes, il y avait des orques, il y avait un peu de tout ça en travers de mon chemin, mais j'ai réussi à arriver jusqu'ici. Donc merci infiniment d'être là. C'est un beau sujet dont on va traiter ce soir. Je pense qu'il est à la croisée des chemins entre de la pensée savante incarnée par les camarades qui sont à mes côtés ce soir, Galia, Jean-Sylvestre, Marie et Emmanuel, et peut-être mon regard qui est plus un regard braqué sur l'actualité. Donc on va avoir du court terme et de la longue distance. On va avoir du news, entre guillemets, et de la profondeur, et je m'en réjouis d'avance. Je vais très rapidement vous présenter, même si je pense que ce n'est pas totalement nécessaire, les personnes qui sont à mes côtés, ne serait-ce que par politesse. Ensuite, Jean-Sylvestre va nous faire le plaisir et l'honneur d'un exposé introductif d'une dizaine de minutes, histoire qu'on se plonge bien dans le sujet. Et puis ensuite, on va à la fois regarder ce beau sujet, la Russie et la Chine, de points amis jurés, point d'interrogation, à l'aune de ce qui est en train de se passer dans cette zone en ce moment. Mais on va essayer de prendre un peu de recul aussi. Je pense qu'on est ici aussi pour ça ce soir. Galia Karman, vous êtes née à Moscou. Vous êtes journaliste, traductrice littéraire franco-russe, spécialiste du monde russe et ex-soviétique, notamment de la Russie, bien évidemment, et de l'Ukraine. Vous êtes docteur en histoire, chercheuse associée à l'université de Caen. Vous êtes aussi autrice de plusieurs livres, avec récemment, il est sorti, vous le savez toutes et tous, en novembre 2022 chez Perrin et Laffont, le livre noir de Poutine que vous avez co-rédigé, co-dirigé avec Stéphane Courtois. Et enfin, et je m'arrêterai là même si je pourrais dire plein d'autres choses, vous êtes rédactrice en chef de Desk Russie. Et celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter de Desk Russie, je vous recommande vivement de le faire. Emmanuel Véron, qui est loin de moi. Vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine et je crois qu'on peut vous écouter également à l'INALCO et à l'École navale, c'est ça ? Très, très joli croisement, là encore. Marie Holtzmann, vous êtes présidente de l'association Solidarité Chine, autrice, traductrice, spécialiste de la Chine contemporaine. Vous êtes très impliquée dans la défense des droits de l'homme en Chine. Et vous essayez, je vous cite, c'est ce que vous m'avez expliqué, de porter un œil critique, mais objectif, sur l'évolution du régime chinois que vous définissez maintenant comme, encore une fois, je vous cite, un totalitarisme de tendance fasciste. Et nous allons à présent donner la parole à vous, Jean-Sylvestre Montgrenier. Vous êtes professeur et chercheur en géopolitique et vous avez le plaisir et l'avantage de nous proposer un exposé introductif.
Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Moi, je vais essayer de faire court, parce que d'une part, nous avons une personne qui est née et qui a grandi en Russie, d'autre part, deux spécialistes de la Chine. Donc l'idée de cet exposé introductif, c'est de poser les termes du sujet. Or, comme à l'accoutumée, je suis parti tout simplement de l'intitulé « Russie, Chine, amis jurés ». Dans un premier temps, ça m'a interloqué, puis après, ensuite, j'ai trouvé la formule très pertinente en y réfléchissant. Et donc, ce qu'il s'agit de faire ici, c'est de poser les termes du débat à propos de cette alliance sino-russe. Pour ma part, je parle d'alliance. Je sais que tout le monde ne le fait pas. Et donc, je veux préciser en quoi, pourquoi on peut parler d'alliance. Et après, bien sûr, il y a la question de savoir jusqu'où cette alliance peut aller, jusqu'où elle peut tenir. Alors, d'abord, un premier point sur amis jurés. Enfin, je vais procéder en trois points. Je vais annoncer les trois points tout de suite. De manière méthodique. Premier point, ça sera l'interrogation sur cette expression, plutôt ce syntagme, ami juré, qui à l'expérience, ça se révèle très, très pertinent. Un deuxième point sur les fondements, finalement, de cette alliance, de cette amitié jurée. Et je sais qu'il y a un certain nombre de questions qui porteront sur les différents aspects, les différents éléments qui entrent dans cette alliance ou dans ce partenariat étroit. Et puis, alors, ensuite, dans un troisième temps, donc, une alliance informelle, certes, mais une alliance, en tout cas, pas de mon point de vue, jusqu'où il s'agira de poser cette question. Alors, un premier point sur donc amis jurés, la pertinence de ce syntagme. Le terme d'ami n'est pas incongru. Alors, bien sûr, on ne parle pas de l'amitié en général, mais il faut quand même partir de là, parce que si on prend Aristote, ça doit être dans les livres 8 et 9 de l'Éthique à Nicomaque, il traite de l'amitié en général et il parle aussi de l'amitié politique, pour montrer à la fois les accointances et les différences entre l'amitié comme vertu privée, en quelque sorte, et puis, d'autre part, l'amitié politique. Alors, l'amitié, en général, elle est fondée sur la prédilection, elle est fondée sur l'estime réciproque, elle est fondée sur la confiance. Ici, il s'agit de l'amitié politique. Alors, amitié politique, ça prend deux sens. Premier sens, ça, c'est l'amitié civique à l'intérieur d'une communauté politique. Donc ça renvoie à la concorde, à l'idée de concorde dans cette unité politique. Ce n'est pas ce sens-là qui nous intéresse. Et le deuxième sens auquel se réfère Aristote, donc aussi bien dans l'éthique à Nicomaque que dans sa politique, c'est l'alliance entre deux ou plusieurs unités politiques. Et donc c'est ce type d'amitié politique qui nous intéresse. Alors ce type d'amitié politique, une alliance de ce type, bien sûr, c'est sa raison d'être, ça n'est pas l'amitié en elle-même. C'est une alliance, c'est fondé sur l'utilité, pas sur les avantages réciproques. Alors, il faut avoir à l'esprit que les alliances sont toujours circonstancielles. Là, c'est presque finalement un pléonasme lorsque l'on parle d'alliances circonstancielles. Bon, on verra qu'il faut quand même introduire une nuance. Mais les alliances sont toujours circonstancielles. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont éphémères. C'est pas dans ce sens-là. Mais elles s'inscrivent toujours dans un contexte, dans un contexte historique, dans un contexte géopolitique, avec une certaine configuration des rapports de puissance. Alors cela dit, c'est vrai que Raymond Aron, je multiplie les références, excusez-moi, Raymond Aron a distingué quand même les alliances circonstancielles des alliances permanentes. Mais ce qu'il précisait, c'est que les alliances permanentes, elles tendaient à devenir autre chose. Ça se transformait peu à peu en lien fédératif. Et à mon sens, c'est pour ça qu'on a du mal à appliquer le terme d'alliance au rapport entre la Russie et la Chine, parce qu'en Europe, en Amérique du Nord. Quand on parle d'alliance, aujourd'hui, on pense à l'OTAN. Alors, il est évident que les liens entre la Russie et la Chine ne sont pas équivalents à ceux qui existent entre les différents États membres, pays membres de l'OTAN. Mais comme on a fait de l'OTAN l'archétype de l'alliance, eh bien, on va un petit peu vite en besogne, me semble-t-il. On dit non, il n'y a pas d'alliance entre la Russie et la Chine parce que c'est trop circonstanciel, c'est trop ponctuel, on ne peut pas parler d'alliance. Mais, donc, à mon sens, ça, c'est une erreur de perspective. En fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir si l'OTAN est bel et bien une alliance. C'est certainement quelque chose de beaucoup plus profond, une sorte de grand espace avec le Großraum qui a été théorisé par Carl Schmitt avec un aspect confédéral. Ce qui fait qu'en dépit des crises qui peuvent surgir au fil des années, au fil des décennies, eh bien, on a une alliance atlantique qui est devenue quasi permanente et qui dure sur plus de 70 ans aujourd'hui puisqu'elle a été fondée en 1949.
Donc une alliance, hein, circonstancielle, bien sûr, entre la Russie et la Chine. Le terme, l'expression me semble adéquat. Alors maintenant, pourquoi parler d'amis jurés dans le sens où cette alliance n'est pas formalisée? Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas un pacte solennel, il n'y a pas quelque chose d'équivalent au traité de l'Atlantique Nord, avec un préambule, une sorte de profession de foi civilisationnelle. C'est vrai qu'il n'y a pas quelque chose d'équivalent, il n'y a pas non plus d'article 5. Hein, donc on est beaucoup plus dans l'implicite que dans l'explicite. Alors cela dit, ben, il y a quand même de multiples textes par ailleurs qui ont été signés. C'est à partir de 1996, en 1996, qu'il y a un premier partenariat global qui a été signé entre la Russie et la Chine. Et au fil du temps, je laisse le soin à nos sinologues de revenir là-dessus, au fil du temps, il y a bien un traité d'amitié qui ensuite a été rehaussé pour le fait qu'il y a de multiples textes qui encadrent cette alliance entre la Russie et la Chine. Mais c'est vrai que c'est avant tout fondé sur une promesse, et là on retrouve l'idée d'amitié sans limite qui avait été employée le 4 février 2022, et puis le mois suivant, Xi Jinping et Vladimir Poutine avaient même parlé d'amitié éternelle. Donc voilà pour le premier point. Alors deuxième point sur les fondements de cette alliance ou de cette amitié jurée, peu importe ici, j'ai dit qu'une alliance a reposé pas toujours sur une utilité réciproque, et ici l'essentiel c'est la commune opposition aux États-Unis, à l'Europe, à l'Occident en général, à ce que Poutine appelle l'Occident collectif. Donc là, on retrouve la dialectique ami-ennemi. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Là encore, ça a été pensé, ça a été théorisé par Carl Schmitt et ça a été porté à un point supérieur par ce grand philosophe du politique qui est Julian Freund. Mais pour résumer, finalement, pour aller à l'essentiel, on pourrait dire donnez-moi un bon ennemi et je vous ferai un bon ensemble. Et c'est cette commune opposition à l'Occident collectif, à l'ordre international libéral qui contribue, enfin qui est la raison d'être finalement de cette alliance entre la Russie et la Chine. Alors au-delà des avantages réciproques sur lesquels nous reviendrons très certainement sur le plan technologique, énergétique et autres, au-delà de la volonté de modifier la corrélation des forces, il y a un objectif de puissance qui est commun à Pékin et Moscou, donc à modifier le rapport global des forces. Quand on dit corrélation des forces, on parle comme les stratèges soviétiques. À mon sens, il faut prendre en compte les facteurs idéals ou les facteurs idéologiques. Mais quand je dis idéologie, ce n'est pas au sens marxiste-léniniste du terme. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste et en même temps de beaucoup plus puissant. Une vue du monde, une vue du monde, une conception du monde. En allemand, on parlerait de Weltanschauung. Et alors, du côté russe, je laisse là encore le soin à nos amis sinologues de me dire de nous dire ce qu'il en est du côté chinois. Mais du côté russe, il faut insister sur l'importance, la prégnance de l'eurasisme, du néo-eurasisme qui s'est très fortement développé après 1991, mais dont les racines historiques sont anciennes. On pourrait remonter jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Là, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Ensuite, au cours du XIXe siècle, on a ce qu'on appelle les doctrinaires orientaux, qui constituent une branche bien particulière du panslavisme. Dans l'entre-deux-guerres, l'eurasisme à proprement parler, et puis ensuite avec Douguine, qui en a fait une sorte de patchwork, c'est vrai, un peu curieux, voire loufoque, mais ce que l'on appelle le néo-eurasisme. Et ça, c'est quand même quelque chose de puissant, de prégnant, et c'est à travers, finalement, cette idéologie, donc au sens large, cette idéologie eurasiste, que les dirigeants russes, semble-t-il, voient le monde et pensent leur rapport au monde. C'est-à-dire que, finalement, l'eurasisme, c'est à la fois une grille de lecture et c'est une matrice. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils anticipent la fin de l'Occident. Il y a cette idée à Moscou et qu'on retrouve à Pékin, l'Occident est fini. Spengler, aujourd'hui, ces dernières années, a été très lu aussi bien à Moscou qu'à Pékin. L'idée que l'Occident est terminé, que cette hégémonie séculaire, elle est déjà quasiment détruite, et il faut pousser ceux qui tombent, en quelque sorte, et anticiper un monde qui basculerait vers l'Asie, vers l'Eurasie. C'est ce que, du côté de Poutine, on appelle le pivot asiatique. Et c'est pas une lubie. Je ne crois pas que ça soit une simple superstructure idéologique qu'on manipulerait de façon à instrumentaliser les masses, à se rallier les masses. Les dirigeants aujourd'hui de la Russie voient véritablement le monde à travers ce prisme. Et ça contribue à donner des fondements idéaux, idéologiques à cette alliance entre Pékin et Moscou. Alors, troisième point, ça sera quasiment ma conclusion, j'espère que je suis dans les temps. Donc une alliance informelle, dans le sens où il n'y a
pas ce grand pacte solennel à équivalent traité de l'Atlantique Nord, hein, je me répète, jusqu'où? Alors le 4 février 2022, il y avait eu cette déclaration bassino-russe, hein, une amitié sans limite. Bon, on peut penser que dans le contexte actuel, là, du côté des dirigeants chinois, il y a quand même une certaine circonspection, au regard de la situation, puisque c'est certainement pas comme ça, pas que Vladimir Poutine leur a présenté cette opération spéciale. Hein. On sait aujourd'hui qu'il voulait mener une sorte de blitzkrieg extrêmement rapide, hein, et bon, on est loin de cette anticipation, hein, et il y a un certain nombre de répercussions, de contre-coups qui très probablement doivent inquiéter les dirigeants chinois. Il n'en reste pas moins que cette alliance s'inscrit dans la durée, comme je le disais tout à l'heure, ça a commencé dans les années 90, ça renvoie à ce qu'on appelait la diplomatie Primakov, hein, qui avait été chef du FSB, ensuite ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre, hein, sous Boris Yeltsin. Tout ne commence pas avec Vladimir Poutine, hein, parce que justement ça procède quelque part du tréfonds de la Russie, hein, cette vision des choses, et depuis, bah, c'est un renforcement constant. Alors on ne peut pas parler de trend séculaire, hein, comme diraient les économistes, hein, mais bon, il y a quand même une tendance lourde, il y a quand même une tendance longue, hein, c'est la même idée, bah, tendance lourde, tendance longue, hein, un procès finalement. Et là, je reviens à Raymond Aron, bah, que je mentionnais tout à l'heure. Hein, pour Raymond Aron, l'histoire, hein, c'est une dialectique entre procès et drame. Hein, ce qu'on appelle les procès, ou ce qu'il appelle le procès, le processus, si vous voulez, eh bien, c'est une histoire, une tendance de longue durée, bah, qui est tirée, qui est véhiculée par des facteurs profonds. Bah, donc ça, c'est une part des choses, hein, sur laquelle on n'a pas forcément prise. Et puis, par ailleurs, il y a ce qu'il appelle le drame. Hein. Alors, le drame, c'est le jeu des passions, c'est le calcul politique, c'est le surgissement des événements, c'est finalement la part de liberté de l'homme dans l'histoire. Alors bien sûr, quand on parle de liberté de l'homme dans l'histoire, il ne faut pas voir ça comme toute puissance divine, comme un arbitraire qui permettrait de faire n'importe quoi à n'importe quel moment de l'histoire, mais le fait est malgré tout que l'histoire est ouverte. Alors ça, c'est important du point de vue européen, nord-américain, occidental, même s'il y a une tendance lourde qui va dans le sens d'une alliance très forte entre la Russie et la Chine, il y a certainement des marges de manœuvre, une certaine liberté d'action. Pour autant, ce qu'on avait appelé aux États-Unis, surtout au moment où Trump avait été élu, mais c'est antérieur, le Nixon in reverse, l'idée que les États-Unis finalement devraient faire exactement l'inverse de ce qui avait été fait sous Kissinger et Nixon à partir de 71-72, ça me semble extrêmement improbable. Alors ce qu'il faut se donner comme objectif, c'est essayer de contrarier ce rapprochement de plus en plus étroit, de le limiter dans son ampleur, de le limiter dans ses effets, ses conséquences, et puis surtout ponctuellement, parce que je crois véritablement qu'il y a quand même une dialectique de force profonde qui va dans ce sens-là, mais si on pouvait temporiser d'un côté pour de l'autre mieux relever la menace, c'est-à-dire pour dire les choses de manière claire, essayer autant que faire se peut, j'insiste, de temporiser du côté de la Chine, parce que le fait est qu'il y a la guerre d'Ukraine qui est en cours aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Alors c'est ce à quoi s'emploie l'administration Biden, les États-Unis, c'est ce à quoi s'emploie également l'Union européenne, les États membres. Le fait est qu'il y a une forte pression sur Pékin. Alors le soutien de Pékin à Moscou, il est réel. C'est bien pour ça qu'il faut parler d'alliance. Dans la sphère politique, dans la sphère diplomatique, dans la sphère géoéconomique, c'est extrêmement important. Sans les achats de pétrole, de gaz, de minerais et autres, sans les ventes de composants électroniques, et puis le rôle d'intermédiaire d'un certain nombre de Chinois dans le trafic de composants électroniques vers la Russie, la Russie serait très certainement dans une situation encore plus grave qu'aujourd'hui. Donc il y a une marge de manœuvre, mais elle est extrêmement étroite, et il faut donc conserver à l'esprit que nous ne faisons certainement que différer les échéances dans cette affaire. Mais finalement, et je terminerai là-dessus, c'est la définition même de la vie. C'est comme ça que Xavier Bichat définissait la vie. C'est une sorte de capacité à différer les échéances, les forces de vie qui l'emportent aussi longtemps que possible sur les forces de mort. Et c'est l'objectif qu'il faut se donner dans nos rapports avec la Chine. Donc je m'arrêterai là-dessus. Merci infiniment pour tout ça, Jean Sylvestre, très, très éclairant. Et c'est un beau départ. Avant de poursuivre, je vous rappelle à toutes et à tous que je m'attends bien évidemment à ce que vous ayez des questions, des interrogations. N'hésitez pas à les soumettre. On est évidemment là pour ça.
Jean-Sylvestre, vous avez parlé, j'ai noté un petit peu de partenariat étroit, vous avez abordé la notion d'amitié politique, vous nous avez dit que cette amitié Chine-Russie est une alliance, mais pas une alliance comme l'OTAN. Vous avez aussi parlé d'une alliance informelle, vous avez parlé de dialectique de force profonde, de réel soutien, mais avec une marge de manœuvre. J'aimerais qu'on commence, Emmanuel, Marie et Galia, si vous en êtes d'accord, peut-être avec vous, Marie. Je vais vous poser une première question toute simple, en fait. Comment est-ce que vous décririez la nature de cette relation, justement, entre la Chine et la Russie en peu de mots, parce qu'on va faire un tour, on va donner à chacun, chacune, la possibilité de répondre, puis on va rentrer dans l'actualité. Mais moi, c'est une question qui, je ne vais pas vous dire qu'elle m'obsède, mais qui m'intéresse vraiment énormément. Je trouve qu'on a toujours beaucoup de mal, en fait, tout simplement, à qualifier la nature de cette relation. Vous utilisez quel mot, vous ? Ben, vous avez raison, on a tous du mal à qualifier cette relation, étant donné que Xi Jinping dit une chose, mais ce qu'il pense vraiment, on ne sait pas quoi. C'est quelqu'un quand même de très, très opaque. Et autour de lui, personne ne communique en disant « le président m'a dit ceci ou cela ». Il n'y a aucune fuite, enfin, du moins pas à ma connaissance. Donc pour moi, je dirais que c'est une alliance de convenance. Enfin, ils ont, c'est d'un côté une alliance de convenance et de l'autre, je prendrai l'image d'une façade qu'il faut étayer. Du côté de la Russie, c'est évident, il faut vraiment qu'ils aient une grosse structure qui étaye ce pays qui me paraît être en grand danger maintenant. Mais du côté de la Chine, c'est pareil. La Chine, maintenant, n'a plus d'idéologie au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une adhésion nationale. Il y a une adhésion nationale à la puissance de la Chine, mais une adhésion à la puissance de la Chine, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Après, comment elle vient, qui la fabrique, etc. Et donc... la Chine a besoin d'être étayée par la Russie quelque part. C'est-à-dire que maintenant, enfin, il y a deux façons de voir l'état de la Chine dans ses relations avec les autres. Je voudrais juste rappeler que quand moi je suis arrivée en Chine en 1975, la Chine avait un ami, c'était l'Albanie. Oui. Il n'y en avait pas d'autres. C'était la seule alliance, quoi. Et donc, quand on allait à la cantine, on croisait toujours les Albanais, qui étaient toujours affamés, d'ailleurs, et qui passaient avant nous. Mais c'était fascinant, quoi, d'imaginer que le seul allié diplomatique réel, c'était ce minuscule pays que moi, je connaissais de nom, évidemment, mais où j'étais jamais allée, je savais pas ce que c'était que l'Albanie, quoi. Donc, je les ai découverts avec intérêt à Pékin. Mais... Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est la même chose, mais d'une certaine façon, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est-à-dire que maintenant, le Japon s'associe aux États-Unis, Taïwan est vent debout en disant « arrêtez de nous menacer », l'Inde est très méfiante, les Philippines sont en constant conflit parce que les bateaux philippins sont attaqués par des bateaux chinois. La Russie, elle se méfie quand même un petit peu des intentions de la Chine aussi, par ailleurs, etc. etc. Donc, on se dit, ben oui, la Chine a énormément de clients. Elle a énormément d'obligés. Mais est-ce qu'elle a beaucoup d'amis? C'est pas sûr. Donc, perdre l'amitié, entre guillemets, hein, de la Russie, ce serait catastrophique pour la Chine. Parce que si... Leur thèse mutuelle, hein, c'est-à-dire que nous avons des valeurs qui s'opposent aux valeurs de l'Occident, se fissure, à ce moment-là, cette affirmation devient beaucoup, beaucoup plus fragile. Donc la Chine a besoin de la Russie a besoin de la Chine, à mon avis. Un mariage de raison, donc, si je vous comprends bien, qui est teinté de méfiance. Emmanuel Véron, vous, quand je vous ai posé cette question, vous avez une expression que je trouve très, très intéressante. Vous parlez de survassalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Merci. Un mot simplement avant de passer dans le vif. Merci beaucoup, Galia, de l'organisation de la soirée, de votre invitation. Je suis vraiment ravi et honoré de partager la table ronde avec vous tous ce soir. Voilà. C'est un mot de remerciement. Alors oui, la question de la relation entre la Chine et la Russie, on évoquait pour préparer la conférence Gallagher de vassalisation, de survassalisation. Bon, c'est un mot que j'utilise... ça et là dans différents cas, notamment dans le cadre médiatique, mais pas uniquement. Alors pourquoi de survassalisation ?
D'abord, si on revient au mot premier de vassalisation, quand on regarde les relations sur les 10 dernières années, qu'elles soient diplomatiques, politiques ou bien évidemment économiques entre la Russie et la Chine, on a un accroissement sans précédent, si je puis dire, du PIB russe. Et quand on connaît le PIB russe, c'est essentiellement de l'armement, quelques technologies liées à l'armement et beaucoup, beaucoup de l'extraction de ressources naturelles, notamment carboné, gaz, pétrole et aussi du diamant, des minerais, etc., qui vont de plus en plus en direction de la Chine, de ses immenses besoins en approvisionnement pour elle-même, sa machine industrielle, sa grande machine économique. Et je disais sur la dernière décennie parce que c'est d'autant plus manifeste qu'au préalable, la Chine avait privilégié, priorisé son arrière-cour asiatique, centre asiatique, qui rentrait directement en concurrence avec la Russie, pour ses mêmes produits, gaz, pétrole et puis d'autres minerais. Alors la question de la survassalisation, je interviendrai de manière concomitante avec février 22 et l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, au sens où, pour être un peu plus précis, quand on voit l'isolement croissant de Poutine sur la scène internationale à la suite de l'invasion de l'Ukraine, il y a de manière, entre guillemets, derrière le rideau, c'est-à-dire pas véritablement rendu public, des accords qui sont passés, qui sont quasi mafieux, si je puis dire, avec des structures qui fonctionnent et qui font fonctionner le Kremlin tel qu'on le connaît, et des intérêts chinois pour négocier sur des prix, mais aussi dans la balance une très forte présence économique, démographique, voire quasi administrative chinoise dans une large partie de la Sibérie. Alors je vais m'étendre un peu sur le sujet du lac Baïkal jusqu'à Vladivostok, où il est question depuis plusieurs mois, plusieurs années, de bail à location de grandes parties de ces terres, j'insiste bien, de Irkoutsk jusqu'à Vladivostok, donc finalement de la Sibérie orientale, aux Chinois, d'un bail à location aux Chinois, dont les paramètres, les clauses contractuelles ne sont pas du tout rendues publiques, mais a priori existeraient vraiment et sont restées entre guillemets secrètes entre précisément le Kremlin et Zhongnanhai, enfin entre Pékin et Moscou pour parler bref. Et dans ce sujet-là notamment, il y aurait été question de la rencontre de Poutine, rappelez-vous, pour l'inauguration des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin au début du mois de février l'année dernière, en amont de l'opération militaire d'invasion de l'Ukraine à la fin du mois de février, où Poutine se rend précisément à Pékin, quelque part pour, un, demander l'aval à Xi Jinping et lui dire et le prévenir « Je vais attaquer l'Ukraine avec cette intensité-là et en quelques jours, ça sera plié. » Vous m'excuserez pour les mots et l'expression, bien évidemment, tout ça étant entre guillemets. En tout cas, pour prévenir le partenaire plus que l'allié, je vais revenir après sur le champ lexical allié, ami, etc., le partenaire spécifique, particulier, singulier chinois de cette affaire-là, parce que les implications précisément diplomatiques à l'ONU, le rapport de force avec les Américains, vous le rappeliez, dans bouleverser les blocs et les rapports de force au XXIe siècle, ce couple sino-russe contre finalement l'Occident, l'OTAN, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi les liens très très forts et de plus en plus étroits dans un certain nombre de théâtres, notamment en Afrique, notamment en Asie, etc. Bref, tous les sujets qui sont sous-jacents de manière croissante depuis 10 ans entre Poutine et Xi Jinping, si on prend les personnages représentant le pouvoir, de parler de ces affaires-là. Et deuxième sujet qui est évoqué, précisément ce que j'évoquais, le sujet de la location d'une partie de la Sibérie, parce que là, fondamentalement, les Chinois ont la main sur cette région-là en matière démographique, en matière économique. Très forte présence démographique de la Chine dans cette zone-là. Rappelez-vous, je crois que c'est en 2012, la création d'un ministère de l'extrême-orient russe par Poutine. Je crois que c'est en 2012-2014, il me semble que c'est bien 2012, précisément, parce que là, on crée un ministère, c'est que ça ne va pas, parce que la présence chinoise était extrêmement forte, croissante et structurante, finalement, pour la vitalité économique de la zone. Et il y a probablement là-dedans un deal voulu par Poutine de laisser faire avec les Chinois pour laisser une certaine vitalité à ces régions-là,
loin du pouvoir central, loin de Moscou, loin d'une Russie utile, entre guillemets, là aussi avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire qui est à l'ouest de l'Oural. Et là, par là même, la Chine joue le temps, là, effectivement, et sur des sujets d'instrumentalisation des temporalités, et quelque part laisse Poutine s'enfermer dans la guerre en Ukraine pour s'affaiblir suffisamment pour que la Chine puisse négocier à son avantage sur un certain nombre de sujets, notamment ceux que je viens d'évoquer, de l'allocation, et plus tard, quelques mois après l'invasion, sur la négociation des prix des matières premières, donc de vassalisation à survassalisation de la Chine sur la Russie. Pour faire bref, et éviter d'être trop verbeux, pompeux, intellectuel ou quelque chose, en fait, quand on regarde aujourd'hui, on a une relation qui est très asymétrique. Cette asymétrie n'a fait que se renforcer. Et on peut dire, allez, quasi, pas aisément, en tout cas assez aisément, que la situation de dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine s'est considérablement accrue. Et quelque part, la marge de manœuvre chinoise sur la Russie est aujourd'hui sans commune mesure avec l'histoire récente ou plus longue. Une survassalisation presque consentie du côté russe, finalement, parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. Vous faisiez allusion à cette rencontre entre Xi et Poutine juste avant les JO, et il signe d'ailleurs un document fondateur où il parle d'amitié sans limite. Galia, vous utilisez quel terme ? Alliance, amitié, partenariat, axe, mariage de raison ? Non, c'est sûrement beaucoup plus que mariage de raison. Je crois que l'aspect qui n'a pas été évoqué ici, et c'est peut-être plus important que de trouver la définition en deux mots, c'est la collusion idéologique entre deux régimes. Marie disait qu'il ne reste pas grand-chose de l'idée communiste, qu'il ne reste que l'idée de la puissance en Chine. C'est tout à fait vrai, mais je pense que la collusion idéologique, elle n'est pas basée sur une idéologie dans le sens premier, en quelque sorte, de ce mot. Parce que, vous savez, la Russie, ex-Union soviétique, a été un pays communiste. La Chine est toujours formellement un pays communiste et on insiste beaucoup. Maintenant, il y a même une tentative de recommunisation, si j'ose dire. Mais le principal n'est pas là. L'essence même du régime communiste, ce n'est pas son idéologie. L'idéologie peut changer. L'idéologie soviétique a beaucoup basculé dans un sens et dans un autre pendant la période soviétique. L'idéologie chinoise, idem. Il n'y a pas grand-chose en commun dans l'idéologie entre l'époque de Mao et l'époque de Deng Xiaoping. Le problème n'est pas là. Ces deux régimes sont basés sur des principes très simples. L'un de ces principes, c'est la non-alternance du pouvoir. C'est-à-dire, c'est un régime, il y a une technique, comment prendre le pouvoir et comment ne plus jamais le lâcher. Et ça, c'est peut-être l'essentiel. Et ensuite, une fois que donc, le pouvoir est pris, on sait très bien comment ça s'est fait en Chine, on sait très bien comment ça s'est fait en Russie, enfin, future Union soviétique. Mais ensuite, il y a des techniques, comment ne pas lâcher le pouvoir, comment créer un système qui soit notoirement inégalitaire, c'est-à-dire c'est exactement l'opposé de ce qui est proclamé, et où donc chacun a quelqu'un qui vit mieux que lui, a plus de biens que lui, et quelqu'un qui est moins bien loti. Et ça dépend de votre comportement, en partie en tout cas, où vous vous trouvez dans cette grille. Ce n'est pas vos mérites personnels, c'est surtout comment vous vous comportez vis-à-vis du régime. Je m'explique en deux mots, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Vous savez,
J'ai grandi en Union soviétique. Et c'était très simple. Il y avait une sorte d'assurance pour tout le monde, d'assurance minimum. C'est-à-dire que tout le monde pouvait faire des études et trouver du travail. Mais quel travail ? Ça, c'était une autre paire de manches. Parce que si vous étiez tout en bas donc de l'échelle, c'était un très petit salaire, donc une vie piètre, et surtout la pénurie permanente, et donc il était toujours très difficile d'obtenir quoi que ce soit. Et pour obtenir quelque chose, il fallait faire preuve du zèle. Et je vous donne juste un exemple parce qu'il est très parlant. Mon père a eu l'occasion de connaître donc le travail d'un ministère. Il était juriste et il y avait dans ce ministère déjà bon ministère, c'est toujours privilégié, c'est toujours mieux que paysan et ouvrier. Mais pour le petit personnel à la cantine, il y avait des sandwichs au saucisson. Pour le personnel intermédiaire, il y avait à la cantine non seulement des sandwichs au saucisson, mais aussi des sandwichs au saumon. Pour le personnel, les cadres seniors, il y avait à la cantine aussi des sandwichs, des tartines plus exactement, au caviar. Aux œufs de saumon, encore plus élevés avec le caviar, et encore... Pour le ministre, il y avait un repas tout à fait spécial. On ne sait même pas ce qu'il mangeait exactement, parce que personne ne pouvait partager son repas. Vous voyez, et c'était pareil. Pour s'habiller, pour avoir accès au magasin où on pouvait acheter de l'électroménager, pour avoir des vacances telles ou telles, il y avait toujours cette gradation. Donc, c'était une société éminemment inégalitaire, où cette inégalité, et ensuite il y avait des camps bien sûr, donc on pouvait descendre très très bas aussi, et donc cette inégalité, cette verticale ou un système pyramidal, je ne sais même pas comment le décrire, c'est quelque chose qui rendait ce système stable, parce que vous aviez toujours quelqu'un qui était en bas par rapport à vous, mais vous avez aussi un horizon où théoriquement on pouvait monter. Et donc, c'était non seulement le système de la terreur ne suffit pas. L'adhésion se faisait grâce à ce système, en réalité assez complexe, de strates. Et je pense que c'est cette collusion profonde entre la Russie et la Chine qui est importante, parce que en Russie comme en Chine, c'est un système depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir qui est un système sans alternance. En Chine, il y a un seul parti politique, en Russie, il y a plusieurs partis politiques, mais c'est tout comme à l'époque soviétique, en Union soviétique, il y avait un seul parti, mais en République démocratique allemande, RDA, il y avait plusieurs partis, sauf vote. De toute façon, ils jouaient exactement le même jeu. Et donc, c'est cette collusion profonde, c'est ça qui assure que Poutine et Xi Jinping aujourd'hui se sentent en quelque sorte en phase l'un avec l'autre, même si n'est pas très content de la guerre en Ukraine. Et c'est pour ça que, et je termine là-dessus, c'est pour ça que ces deux régimes collaborent non seulement en économie, non seulement en politique étrangère, au sein de BRICS, etc., mais aussi au niveau d'échanges idéologiques, et ils s'échangent. Par exemple, les Russes soutiennent la propagande chinoise concernant les Ouïghours et vantent
le traitement des Ouïghours, bien sûr totalement falsifié, comme modèle. C'est pour ça que la Russie et la Chine collaborent sur le plan de la surveillance de la population, parce que la surveillance de la population, ça, c'est le niveau profond des relations entre les deux pays. Et donc, la Russie a joui des technologies chinoises, aussi bien pour contrôler Internet, mais les Russes ont aussi donné quelques éléments. C'est un échange vif, il y a des réunions régulières, etc. Et aujourd'hui, les Russes installent chez eux le goulag numérique. Qu'est-ce que c'est le goulag numérique? C'est ce qui existe déjà en Chine depuis un moment. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais si je comprends bien, c'est quand même un système qui est en quelque sorte l'équivalent de ces strates soviétiques, à savoir, si vous vous comportez bien, vous êtes un citoyen modèle, vous obéissez au gouvernement, vous faites tout ce qu'il faut, vous payez vos impôts, vous êtes membre du parti, vous êtes ceci, vous êtes cela, et donc, eh bien, vous avez les carottes. Vous avez le droit de voyager dans des trains à grande vitesse, vous avez droit à des chambres à l'hôtel, etc. Mais ceux qui sont en bas, ce sont des gens qui ne peuvent pas voyager ou peuvent voyager en troisième classe de chien, de train bondé, ne peuvent loger chez des amis ou dans des conditions assez effroyables, qui ne reçoivent pas beaucoup de toutes sortes de biens. Et donc, c'est ce système qui est en train d'être graduellement introduit en Russie. Là, le premier test a été avec leur appel à la mobilisation, parce que la notification maintenant électronique est électronique. Vous savez, ils ont créé quand même quelque chose qui est totalement monstrueux, les Russes, maintenant. Je pense que les Chinois doivent l'avoir depuis longtemps, à savoir, il y a un seul portail pour tout. Ça s'appelle le portail des services d'État. Et donc, pour obtenir un passeport, pour payer une amende, pour déclarer vos impôts, pour vous inscrire chez un médecin, tout passe par le portail unique, ce qui veut dire que l'État sait tout sur vous. Avec en plus la reconnaissance faciale, qui est aussi la technologie chinoise qui a été partagée avec les amis russes, vous avez maintenant, si la personne reçoit donc une convocation pour la mobilisation et n'obéit pas au bout de 7 jours, il sera privé peut-être de travail, de droit de voyager, de droit de conduire la voiture, de droit d'avoir sa propre entreprise, etc. Et donc, voyez, c'est ça qui crée la vraie compréhension entre les deux régimes. Comment on l'appelait? Je pense collusion. Collusion, ouais. Non, le mot est très juste. Je pense que ce que vous évoquez appelle également chez moi le terme compatibilité entre deux sociétés effectivement marquées par des strates. Alors j'ai bien compris que du côté russe, enfin du côté soviétique, c'était saucisson, saumon, caviar. Je ne sais pas quel est l'équivalent du côté chinois. Le début, tout en bas, c'était le goulag. Ouais, bon, alors goulag, ouais. Goulag, saucisson, saumon, caviar. Mais à la fin, en parlant de mobilisation par des moyens électroniques et d'introduction des moyens de surveillance de masse, vous nous rapprochez de l'actualité. J'aimerais qu'on plonge dedans, Marie, si vous le voulez bien. L'actualité chaude, brûlante, parce qu'on sent bien dans cette amitié sino-russe qu'il y a, je pense, certainement des éléments de fragilité. Et est-ce que vous pensez que la séquence Wagner monte à Moscou a peut-être est-ce qu'elle a un impact sur cette relation? Si oui, lequel? Comment est-ce qu'il s'est manifesté? J'ai surveillé ça un petit peu, j'ai vu une déclaration
Et si Jean Sylvestre, vous avez un mot à dire, j'ai vu une déclaration du ministre chinois des Affaires étrangères lundi, mais qui était quand même très, très brève. Donc est-ce qu'il y a ce temps de digestion de l'actualité avant de se prononcer de manière peut-être plus loquace? Est-ce qu'il n'y avait pas besoin et le service minimum suffisait? Quelle est votre lecture? Ma lecture est simple, voire même simpliste. Je pense que les Chinois sont très prudents. Ils ont toujours eu le temps pour eux, donc ils ne sont pas dans l'urgence. L'actualité brûlante, ce n'est pas leur truc. Et ils attendent, quoi. Ils attendent de voir ce qui va arriver à Prigogine. Est-ce qu'il va vraiment s'exiler en Biélorussie? Et on verra après. Je ne pense pas qu'il y ait un changement radical. En revanche, entre eux, je suppose qu'ils doivent rigoler, quoi. Ils doivent se dire, ah ben là, Poutine n'a pas su tenir ses troupes. Si vous refaites le parallèle avec Xi Jinping, par exemple, Xi Jinping a accumulé tous les pouvoirs sur l'armée. Avant, il y avait la commission militaire. Enfin, il y a toujours la commission militaire, mais le problème, c'est que maintenant, Xi Jinping est le président de tout. Il n'y a pas d'exception. Hein. Donc, depuis qu'il est au pouvoir, enfin, il n'a pas commencé tout de suite, mais peu de temps après, ça a commencé la valse des chefs militaires. Donc, il a muté, là, dans les 5-6 dernières années, 160 généraux, 160 leaders de l'armée, justement pour éviter les collusions, pour éviter qu'il y ait des petits groupes de militaires qui s'entendent bien au point de jouer les Prigogines ou autre chose. Et donc, Xi Jinping doit, dans son fer intérieur, se dire « Moi, j'ai bien joué, mais lui, quel crétin, il a fait confiance à quelqu'un, et moi, je fais confiance à personne. » Moi, je pense que c'est comme ça que je le vois, mais je pense que mon voisin de gauche est plus compétent que moi pour répondre. On y vient. Et Emmanuel, vous pensez que la Chine porte... quel regard? Et on va passer outre le regard officiel qui se résume encore une fois à cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, sauf si vous en avez vu d'autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a du mépris? Et puis je vous pose une question volontairement provocatrice, mais un Prigogine version chinoise, il dure combien de temps chez Xi Jinping? Merci. À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de Prigogine chinois. Même s'il y a des sociétés militaires privées, je l'ai découvert en Chine. Effectivement, il y a beaucoup de sociétés militaires privées chinoises qui sont très actives, hein, qui sont assez discrètes d'ailleurs. Ça tranche avec la publicité qui est faite de Wagner et de Prigogine ou de Blackwater anglo-américaine il y a 20 ans, notamment en Irak. C'est pas complètement comparable, Prigogine et Blackwater. Donc oui, il y a bien des sociétés chinoises, essentiellement actives en Asie du Sud-Est, en Afrique, beaucoup en Asie centrale également, pour la sécurisation de sites chinois, en fait, soit d'infrastructures, soit dans le cadre d'investissements ou de prêts à des pays tiers, dans le cadre notamment des fameuses routes de la soie dont on parle beaucoup, en tout cas on a beaucoup parlé sur les 10 dernières années, mais aussi pour conduire des opérations de police ou des opérations clandestines qui sont à destination de ce qui est perçu à Pékin comme étant des priorités de politique intérieure, c'est-à-dire pourchasser et faire revenir des ressortissants ouïghours, des opposants, etc. Donc, si vous voulez, il y a cette articulation dans les sociétés de sécurité qui ne sont pas uniquement pour des intérêts économiques en dehors du territoire, mais aussi un prolongement de questions qui sont perçues comme étant des sujets de sécurité intérieure par Pékin en dehors de ses frontières. Alors, pour revenir brièvement sur la séquence du week-end dernier, Prigogine marchant sur Moscou, grande discrétion de la Chine, grand silence, d'ailleurs, marqué par ce silence-là. Et puis après, effectivement, un communiqué assez laconique des affaires étrangères chinoises qui s'en tient à, si je puis dire, son rôle de puissance. Il fallait bien dire quelque chose, même si c'était laconique. Je crois qu'il y a quand même au moins deux choses qui se dégagent de cette affaire. Le gouvernement, l'État, le parti État Xi Jinping n'aime pas être débordé par des affaires qui peuvent avoir des conséquences sur lui-même, son modèle, systémiquement mafieux, etc. C'est relativement similaire, même si ce n'est pas complètement jumelé entre le Kremlin et Pékin.
Mais il peut y avoir une crainte très très forte au sein du pouvoir central chinois qui ait des répercussions en Chine. Bon, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, comme disait précisé Marie Holzmann, c'est qu'après tout, oui, ils doivent bien se marrer, si je puis dire, pour reprendre vos mots. Je suis tout à fait d'accord. Parce que, précisément, s'il y a aussi un silence, c'est que l'un comme l'autre, on évoquait au début de la soirée, côté Pékin, côté Moscou, ils se connaissent très très bien. Ils se connaissent très très bien. En tout cas, à plusieurs niveaux, il y a le niveau politique, où Moscou connaît très 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 bien ce qui se passe à Pékin, dans la société chinoise, et inversement. Et ça, probablement que c'est le fruit de la guerre froide et des partenariats qui remontent même à 1921 ou même après 17, la formation 1917, la formation des premiers agents par les services soviétiques de ce qui deviendront des services et de l'administration finalement chinoise communiste. Donc ils se connaissent très 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 bien. Ils se connaissent très très bien de l'intérieur. Et donc j'en viens à la continuité de réflexion sur le silence ou le silence relatif. Je pense que Xi Jinping attend. Et probablement qu'il observe deux choses. L'après-Poutine, si je puis dire, et sur qui il va pouvoir jouer pour articuler la relation dans un après-Poutine potentiel. Et il regarde les Américains, précisément, les Américains regardent aussi l'après-Poutine, si je puis dire. Bon, là, on dépasse un peu la séquence du week-end dernier, mais fondamentalement, au sein du Kremlin, où ça vacille, a priori, très fort, je crois que Pékin en est là actuellement. De commencer à intellectualiser, de commencer à entrevoir des hypothèses dans les prochains mois, les prochaines années, d'une Russie qui ne sera plus tout à fait celle que l'on a aujourd'hui, Fédération de Russie, Poutine et de son système, pour les années à venir. Et j'en reviens très brièvement à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur des partitions potentiellement territoriales, des relais au sein de la Fédération de Russie sur lesquels on pourrait s'appuyer, compter, etc., pour la continuité des affaires, c'est-à-dire gazières, voire de l'eau, du diamant, tel ou tel minerai, du bois, des terres, etc., etc. Et quid de cette future Russie à l'ONU, Conseil de sécurité, à l'ONU plus largement, dans ses ramifications diplomatiques internationales au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine. Donc cela expliquant un petit peu quelque part le silence. Donc prudence, patience, mais j'insiste, hein, ils se connaissent très 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 bien de l'intérieur. Non, c'est vraiment intéressant parce que j'ai lu que le président iranien a appelé Vladimir Poutine très rapidement, Ibrahim Raisi, l'émir du Qatar l'a appelé, le prince héritier Ben Salman l'a appelé, l'émirien l'a appelé également. Galia, je crois que vous vouliez réagir à ce que nous disait Emmanuel à l'instant. Je voulais juste dire deux mots en réaction à ce qu'a dit Emmanuel. En effet, il a parlé déjà la première fois de cette colonisation qui ne dit pas son nom de la Sibérie. En fait, c'est grandement facilité par un manque criant de femmes en Chine, parce qu'il y a, je ne suis pas sûre des chiffres, je crois qu'il y a entre 50 et 100 millions de femmes en état de procréer qui manquent en Chine à cause de la politique de l'enfant unique, quand les gens préféraient avoir s'il fallait avoir un enfant, ils préféraient avoir un fils et se débarrasser de telle ou telle façon quand c'était une fille. Et donc, il y a beaucoup de mariages mixtes. Il faut dire que toute la partie asiatique de la Russie, c'est quelque chose comme 30 millions de personnes pour un territoire aussi énorme. C'est rien du tout. Et donc, il y a déjà la pénétration par le mariage et ensuite par les affaires, par les beaux, etc. Ceci dit, il y a aussi beaucoup de grogne dans les milieux ultra-patriotiques contre Poutine parce qu'on l'accuse de se faire vassaliser par la Chine. Donc, est-ce que ce processus réversible, si jamais c'est quelqu'un d'autre que Poutine arrive au pouvoir, ça, bien sûr, on n'en sait rien. Mais je voudrais juste rappeler qu'il y a un livre que je trouve totalement prophétique qui a été
abondamment cité ces derniers mois, pas seulement à l'occasion de Prigojine, c'est le livre de l'écrivain russe, un roman, une sorte de comment dirais-je, d'un roman d'anticipation, on peut dire, qui s'appelle Journée d'un opritchnik. Les opritchniks, c'était les membres de la garde rapprochée d'Ivan le Terrible qui semait la terreur, qui combattait les boyards, donc au nom de l'unité des terres russes. Hein. Et donc là, il s'agit de la Russie en 2028. Il y a un tsar de nouveau, et vous voyez, on n'est qu'à 5 ans du temps de ce roman. Et donc, il y a un tsar, il y a les opritchniks, il y a la terreur. En même temps, c'est un État tout à fait technologiquement avancé, notamment en matière de la surveillance de la population. Et c'est un vassal de la Chine. C'est un pays, la Russie, qui s'est détourné complètement de l'Occident et qui... et qui est totalement dépendant de la Chine. Voyez, personnellement, j'ai cru jusqu'à cette révolte que Prigojine restait ce qu'il a été pendant plusieurs années, homme de Poutine, et que Poutine avait des visées pour lui, si jamais ça bardait, de devenir le chef de ces nouveaux opritchniks. Bon, voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Merci, Galia. Moi, j'avais été frappé quand Xi est passé récemment voir Vladimir Poutine à Moscou. Et Poutine a eu cette phrase qui ressemblait presque à un aveu où il dit à Xi Jinping... puisque la première fois qu'il l'a vu, c'était en 2012 ou en 2013, et à l'époque, Poutine est bien plus fort, me semble-t-il, que Xi Jinping. Et en l'espace de 10 ans, la relation s'est complètement inversée. Et Poutine le verbalise et le reconnaît. Mais néanmoins, c'est Xi qui s'est déplacé pour aller à Moscou. Et c'est quand même un geste fort vu l'actualité. Moi, j'ai le sentiment, et Marie, je voudrais votre réaction par là, et Jean-Sylvestre l'a abordé, c'est que le ferment de cette relation, ça reste quand même un rejet de l'Occident, de ce pôle dominant incarné par les États-Unis. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on construit dans le rejet, simple ? Et ensuite, est-ce que vous voyez autre chose ? Ça a été un petit peu abordé jusqu'ici, mais outre ce simple rejet, est-ce que vous voyez d'autres éléments qui font du liant ? Oui. Si vous voulez attraper un petit micro, même si on est entre nous. Oui, je vois beaucoup d'autres objets, bien sûr. La première des choses, je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est l'histoire, quoi, hein, parce que l'histoire est toujours présente, même si elle s'éloigne tout doucement, elle est quand même là. À la fin de la dynastie des Qing, le pouvoir chinois n'avait plus beaucoup de contrôle sur rien du tout. Et à ce moment-là, la Russie des tsars en a profité pour annexer des territoires extrêmement importants. Et les patriotes chinois d'aujourd'hui, qui, eux, ont un sens de l'histoire phénoménal, hein, si vous parlez avec un Chinois un peu éduqué, il connaît toute l'histoire depuis, 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, et il est capable de vous citer toutes sortes d'anecdotes et qui tombent toujours sur une situation actuelle. Quoi. Il peut toujours dire, ah oui, ça c'était comme en 225 avant Jésus-Christ, on a fait ci et ça, et puis là maintenant, Prigojine et Poutine, etc. C'est assez, assez fascinant. Donc les Chinois d'aujourd'hui disent, les tsars nous ont piqué une surface équivalente à la surface de l'Inde. Alors, au début, j'ai trouvé que c'était quand même un peu beaucoup. Mais enfin, si on regarde la carte, effectivement, bon, déjà, il y a la Mongolie extérieure, puisqu'on l'appelle toujours Mongolie extérieure en Chine, qui représente une surface importante. Et puis, toute la Sibérie, le Kamtchatka, enfin, et puis l'accès à la mer du Japon aussi.
Donc la seule concession que les Russes ont fait après la guerre, c'était de rendre Port Arthur, donc qui s'appelle Dalian maintenant, mais qu'ils avaient pris aussi à l'époque. Donc là, Staline a rendu Port Arthur, je ne sais pas pourquoi, mais il l'a fait. Et donc les Chinois, eux, se souviennent de ça. Et ils se souviennent de quelque chose de beaucoup plus récent, c'est quand Jiang Zemin a négocié à l'époque avec Gorbatchev, et qu'il a à nouveau cédé des terrains de la Chine, enfin accepté, disons, que ces annexions d'autrefois elles étaient plus ou moins entérinées. Et là encore, ça s'est fait en secret, ça n'a pas été publié, mais les Chinois, ils arrivent toujours à tout savoir, et ils lui en veulent énormément. Donc ça, c'est un des crimes de Jiang Zemin, d'avoir trahi la patrie et d'avoir cédé du terrain. Et je crois que dans leur tête, là, quand Emmanuel parlait de Beau, en quelque sorte, la Sibérie est cédée par bail Beaux successifs, je pense que c'est tout à fait vrai, et que l'arrière-pensée des Chinois, c'est que de toute façon, les Russes ne font quasiment rien de la Sibérie, et nous, on peut vraiment exploiter la Sibérie, et ils s'y sont mis. Il y a eu plusieurs documentaires, effectivement, sur les mariages russo-chinois, etc. Et je me souviens des femmes russes qui disaient « Moi, j'aime mieux avoir un mari chinois, parce que lui, au moins, il bosse, et puis il ne se saoule pas tous les soirs. » Donc, il y avait cette vision quand même plutôt positive, chez certains, pas tout le monde, mais chez certains, de l'efficacité des Chinois en Sibérie. Moi, j'avais été frappée, je suis allée une fois en Mongolie extérieure, à l'époque où elle était encore très, très pauvre, en 1978, je crois. Et il n'y avait vraiment rien à manger, hein, c'était terrible. Mais il y avait un tout petit marché, plus ou moins clandestin, et il n'y avait que quelques paysans chinois qui cultivaient des carottes et des navets et qu'on pouvait acheter, et nulle part ailleurs, quoi. Donc c'était des paysans chinois qui produisaient quelques légumes. Donc tout ça, c'est assez impressionnant quand même. Donc il y a cet aspect-là de la chose. Et l'autre aspect qui est très important, je crois... les Chinois sont conscients d'un fait double, c'est-à-dire qu'ils sont communistes. Donc être communiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir eu l'instruction du Comintern dès les années 1920, quoi. Déjà, les agents du Comintern étaient en Chine et diffusaient leur enseignement du communisme. Mais, si j'ose dire pire encore, Mao et ses collaborateurs, Zhou Enlai, Chen Duxiu, etc., étaient salariés par le Comintern. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de Chinois ne savent pas. Mais ils ont été salariés longtemps. Et il y avait des agents du Comintern partout, y compris dans les bases de retrait, quand c'était la guerre entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois. Il y avait aussi des agents qui étaient là pour diriger les Chinois. Et donc... ce passé-là, Mao ne l'a jamais oublié, mais d'une façon très ambiguë. C'est que d'un côté, en fait, il est devenu le Staline chinois. Donc la politique de Staline, il était à 100% pour, avec toute sa violence, le pouvoir totalitaire, etc., etc. Mais de l'autre côté, il ne pouvait pas supporter que Staline lui donne des ordres, d'autant plus que les ordres de Staline ne correspondaient pas finalement à la réalité de la Chine. Staline aurait voulu que le Parti communiste chinois s'associe au Kuomintang parce qu'il pensait qu'on ne pouvait faire qu'une révolution bourgeoise. Et Mao a dit, chez nous, on n'a pas tellement d'ouvriers, on n'a pas tellement de bourgeois, par contre, on a beaucoup de paysans. Donc nous, on va faire la révolution par la paysannerie. Et là où finalement, au fond du compte... Staline avait raison, c'est que dès que Mao a gagné, il a complètement marginalisé la paysannerie, il a accroché les paysans à leurs terres en créant ce fameux Ruko qui fait deux catégories sociales, un apartheid terrible, hein, où les paysans sont collés à leurs terres de la naissance jusqu'à leur mort, ne peuvent jamais sortir de ce statut-là, et aujourd'hui ça n'a pas tellement changé. Bon, ça a un peu évolué, mais radicalement pas. C'est-à-dire, si vous avez le statut de paysan, aujourd'hui encore, mettre vos enfants à l'école en ville, c'est pratiquement impossible. Bon, ça c'est une chose. Mais donc, Mao a quand même reconnu que diriger une révolution communiste avec les paysans,
c'était voué à l'échec. Il l'a pratiquement dit. Il a dit les paysans sont tellement conservateurs et tellement obtus, chaque fois qu'il y aura un vote quelque part, on va être mis en échec. Donc, il les a marginalisés et il s'est appuyé sur la bourgeoisie, quoi. Donc, il y a cette ambiguïté. D'un côté, il ne veut pas renoncer à cet héritage d'idéologie, donc. De l'autre, c'est une idéologie qui est très pratique, parce qu'au fond, ce qu'il veut, c'est garder le pouvoir, hein, Xi Jinping aujourd'hui, et c'est ce que Mao voulait aussi, garder le pouvoir à tout prix et rester le chef à tout prix. Et il a fait ça très bien, en éliminant tous ceux qui risquaient de lui porter de l'ombre. Mais le problème aujourd'hui, j'ai envie de citer un penseur philosophe chinois qui s'appelle Hu Ping, et qui a parlé de l'honneur des déshonorés. Alors, l'honneur des déshonorés, c'était le résultat de la révolution culturelle. Pendant la révolution culturelle, on a obligé les intellectuels à dire que Mao était leur soleil radieux, que l'histoire n'existait pas, la philosophie, enfin, rien n'existait sauf Mao et la pensée de Mao, etc., etc. Donc, ils ont été obligés de faire ça pendant la révolution culturelle. Ce qui fait qu'après, ces gens-là, qui étaient des grands intellectuels, ils ont été obligés, quoi, ils n'ont pas pu faire autrement. Eh bien, ils ont refusé de renier leur reniement, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où ils avaient dit qu'il y avait que Mao et tout, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Et là, Xi Jinping se trouve un peu dans cette position. C'est que, d'un côté, il dit, on veut faire le socialisme à la chinoise, on veut créer un nouveau monde avec nos critères à nous, chinois, mais en même temps, il sait que tout l'héritage est russe. Et ça, il ne sait pas comment s'en défaire. C'est très embêtant pour lui. Parce que il y a derrière lui les petits nationalistes, comme on dit, les Xiaofenrong. Alors les Xiaofenrong, c'est vraiment les pires de tous. Hein. C'est ceux qui sont sur les réseaux, qui attendent le moindre faux pas. Et si les médias chinois ne sont pas assez critiques contre l'Amérique, pas assez critiques, par exemple, là, l'affaire du gamin qui s'est fait tuer par la police, mais alors là, les Chinois en font les gorges chaudes et ils sont tous en train de dire que chez nous, ça ne va pas, c'est le chaos total, regardez, on tue les gens dans la rue, etc. etc. Donc ça, c'est le travail des Xiaofenrong, hein, ils en font énormément. Mais il faut faire attention de ne pas provoquer ces gens-là contre le pouvoir chinois. Mmh. Et là, ils sont toujours un peu sur une ligne délicate. Et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Xi Jinping n'arrête pas de dire on a un modèle chinois, on a un projet pour le monde. Pour le moment, ce projet, en dehors d'être contre les valeurs universelles, contre les États-Unis, contre la démocratie, je dirais que c'est un projet qui s'adapte un peu comme ce que vous avez dit tout à l'heure, la vie s'adapte, quoi. S'adapte aux situations, et c'est un projet qui pense que le monde est entré dans une période de grands conflits, de grands tourments, et que les Chinois, avec leur stratégie, leur souplesse, leur habitude de gérer toutes les situations les plus invraisemblables, vont s'en sortir mieux que nous. Voilà. Je crois que c'est dans cet état d'esprit qu'ils arrivent plus ou moins, hein, plus ou moins à s'entendre avec les Russes que, comme dit Emmanuel, je crois, ils connaissent très bien. Enfin, ils se connaissent et ils ne se connaissent pas quand même. Hein, parce que malgré tout, les Russes, c'est une culture occidentale. Et les Chinois, c'est une culture chinoise à 400%. Hein. Emmanuel, je voulais vous poser la question suivante. Merci, hein, Marie, on avait compris des territoires, de l'héritage, de l'histoire et puis du rejet de l'Occident en commun. Mais on voit bien aujourd'hui que la Chine est quand même dominante dans cette relation. Mais qu'est-ce que la Russie peut faire aujourd'hui pour la Chine ? C'est-à-dire qu'on voit tout ce que la Chine peut faire pour la Russie, contre la Russie, mais qu'est-ce que la Russie peut faire pour la Chine, qu'aucun autre pays ne peut faire à l'heure actuelle? Pas beaucoup de choses. A priori, la liste, ouais, exister, ce qui semble absolument, Marie, je suis d'accord, exister en tant que puissance nucléaire, en tant qu'État membre du P5 au Conseil de sécurité des Nations Unies, avoir une ramification diplomatique internationale
qui est construite, si je puis dire, sur le substrat des 30 ou même plus si on prend l'Union soviétique, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, avec des opérations type opérations spéciales type Wagner. En fait, c'est le bras armé de la diplomatie, si on peut appeler ça la diplomatie russe. Donc effectivement, existait, mais la liste est relativement réduite. Et si je puis dire, cette liste-là s'est amenuisée au fur et à mesure du temps du pouvoir de Poutine, et peut-être même allez, de la sortie de l'Union soviétique, de la fabrique de la Fédération de Russie telle qu'on la connaît années 90, puis de Poutine jusqu'à nos jours. Et quelques exemples de cela, et je vais après donner quelques, sans perdre le fil, quelques exemples concrets de ce que la Russie livrerait à la Chine encore actuellement. Mais là aussi, dans une logique très asymétrique, paradoxalement, où finalement... les Chinois n'ont pas grand-chose à faire pour demander quelque chose qui est devenu presque un acte gratuit, si je puis dire. Quand on regarde, et ça va dans le sens de notre échange de ce soir, la perte d'influence de la Russie dans son arrière-cour post-impérial, post-structure soviétique, notamment en Asie centrale, au profit de la montée en puissance de la Chine, c'est fondamental pour comprendre, un, l'effritement, l'effondrement des capacités de pouvoir techno, structuralo, militaire, service de sécurité de Poutine en Asie centrale. Alors même que vous aviez tous les stands, notamment Kazakhstan, Tadjikistan, qui étaient des bases arrières, formés aux anciennes écoles kagibistes et autres, très articulés au pouvoir central du Kremlin. Aujourd'hui, et en fait, ce n'est pas récent, depuis 20 ans, ces pays-là se tournent de manière massive vers la Chine, parce que ces pays-là, précisément, Kazakhstan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Turkménistan, si vous voulez, bien évidemment, Ouzbékistan, connaissent très, très bien, de fait, de l'histoire contemporaine, les structures soviétiques et post-soviétiques. Et avec la montée en puissance de la Chine, notamment en matière économique, commerciale, mais aussi diplomatique et infrastructurelle, au sens construire des infrastructures, construire des infras, ils se sont tournés très, 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 très fort vers Pékin. Et Pékin a profité de ça, a accompagné ce mouvement-là, accompagné ce process-là. Il a même, très fortement encouragé. Avec des bourses, on n'a pas idée aujourd'hui sur les campus chinois, en fait, depuis au moins une vingtaine d'années, du nombre d'élites ouzbèques, kazakhstanaises formées à Pékin, à Shanghai, à Nankin, que sais-je, peu importe les grandes villes universitaires ou des villes moins connues, moins importantes universitaires chinoises. C'est un vrai sujet parce que ces gens-là, aujourd'hui, sont en fonction. Ils ont été formés il y a 15 ans, 20 ans. Ces gens-là, aujourd'hui, entre 30, 40, voire un peu plus, et sont en fonction dans les administrations de leur pays ou dans des institutions internationales onusienne ou non onusienne, ça compte dans la diplomatie, ça compte dans le paysage international. Aussi intéressant de voir comment je continue la perte d'influence russe et les choses qui ont été données, laissées ou en direction de la Chine. Donc cet effet un peu inversé, cette relation asymétrique. Quand on regarde la relation sino-russe sur les 20 dernières années, donc vraiment l'ère Poutine, si je puis dire, ça marchait essentiellement à deux jambes, peut-être une troisième, qui était celle de l'idée de surfer sur les idées anti-occidentales, anti-américaines. Bon. Mais deux jambes essentielles. C'était de l'armement, livraison d'armement de la Russie vers la Chine. Et c'est comme ça que l'arsenal militaire chinois s'est constitué. Une anecdote. Vous voyez, on parle beaucoup avec la guerre en Ukraine d'avions de chasse, de bombardiers, etc. Vous avez une commande chinoise faite en direction de la Russie. Pour des chasseurs, il y en avait grosso modo, c'était il y a une vingtaine d'années, ouais, un peu plus d'une vingtaine d'années, une commande de Sukhoi à hauteur de 300 appareils. Au bout du 300 appareils. Donc la Chine fait une commande, 300 appareils à la Russie. Au bout du 102e appareil livré, les Chinois ont dit aux Russes, ils ont pris le téléphone, ils ont fait « Allô, c'est bon, c'est terminé, la commande n'ira pas au bout, merci, c'est gentil. » Parce qu'ils savaient le fabriquer eux-mêmes. Ils avaient pris une centaine d'appareils de chasseurs, c'était des chasseurs. Ils les ont complètement désossés, ont mis des dizaines, des centaines d'ingénieurs de l'armement, mais aussi tout l'écosystème intellectuel, recherche et développement autour de ce type d'engin, de l'aéronautique, dans différents points articulés de l'industrie chinoise, l'industrie de l'armement, et ont pu, à partir de cela, copier, refaire, et le Sukhoi version chinoise, donc un Sukhoi chinois, voilà, peu importe qui aujourd'hui vole, et est en dotation dans les armées chinoises, etc.
Et ça, ça montre quoi ? Ça montre que à court d'argent, avec les sanctions déjà russes, mais surtout chinoises, embargo post-Tiananmen, etc., il y a eu un resserrement très très fort dans les secteurs militaro-industriels entre les Chinois et les Russes, au lendemain même de l'effondrement de l'Union soviétique, la disparition de l'Union soviétique et la fondation de la Fédération de Russie. C'est pas pour rien, je fais un pont avec l'histoire, que le nouveau patron des armées au sens militaire, le chef d'état-major, enfin le ministre de la Défense, pardon, plus exactement, chinois, est sur sanction américaine parce qu'il avait des accointances avec la Russie, et donc il est sur sanction. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Xi Jinping l'a nommé à ce poste-là. C'est un ingénieur de formation, d'ailleurs. C'est ingénieur de l'armement, officier général, qui est le ministre de la Défense. Et c'est probablement l'une des raisons, peut-être un peu tordue ou ambivalente, de Xi Jinping de l'avoir nommé à cette place-là, pour éviter le rapprochement de potentielles reprises de contact à haut niveau des militaires américains et des militaires chinois. Oui, ouais, derrière, vous avez bien en articulation la présence russe. Je continue sur le sujet militaro-industriel. À court de clients, les industriels russes sont tournés vers la Chine parce qu'il y avait de l'argent et il y avait une très forte demande. Et on va avoir jusqu'aux années 2007-2008, hein, donc milieu des années 90 jusqu'aux années 2007-2008-2009, eh bien, l'exemple des Sukhoi que je donnais pour à peu près tout type d'armes, d'une copie de la K-47 jusqu'à des sous-marins, en passant par des moyens aéroterrestres, etc., etc., jusque dans le domaine spatial. Tout le spectre industrialo-militaire russe, post-soviétique, vers la Chine. Au point même qu'un certain nombre d'intellectuels russes et dans les milieux stratégiques russes, services ou pas, se sont inquiétés de la diminution du gap qui existait entre la capacité d'innovation russe qui s'amenuisait et de plus en plus les capacités chinoises qui, elles, redoublaient d'efforts et étaient en capacité de proposer des choses que les Russes avaient à peine anticipées. Et donc, tirer la sonnette d'alarme, on a eu un affaissement relatif dans ces livraisons d'armes. L'autre jambe, je ne perds pas le fil, c'était bien évidemment la livraison de matières premières en direction de la Chine. Je ferme la parenthèse. Et ça va reprendre très fort, si je reprends le sujet militaire et industriel, avec Vladimir Poutine officiellement de retour président en 2012, concomitamment de l'arrivée au pouvoir en tant que chef suprême Xi Jinping, chef du parti, secrétaire général, chef, comme Marie Holzmann le précisait, de la commission militaire centrale, c'est-à-dire le chef suprême de l'Armée populaire libération, et bien évidemment président pour l'État, pour l'administration, le président de la République populaire de Chine. Les échanges militaires vont reprendre très 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 fort, mais là, le constat sera que les Chinois ont fait des progrès énormes, en capitalisant sur le savoir-faire russe qui a été transféré massivement sur les 20 dernières années, et sont eux-mêmes aujourd'hui en capacité de fournir des équipements de rupture, en tout cas de l'armement disruptif de rupture, que les Russes ont bien du mal à soit financer, soit conduire jusqu'au bout des différents programmes militaires. Et j'en termine sur le volet militaro-stratégique. On sait par ailleurs que, et ça renvoie à la définition même du couple sino-russe sur collusion. Là, on peut parler peut-être de coordination ponctuelle en matière militaire et stratégique, notamment dans le domaine spatial. On peut se poser des questions, notamment sur la dimension renseignement spatial, que ce soit des sociétés para-étatiques chinoises ou que ce soit l'administration militaire et spatiale chinoise. Et on peut se poser des questions sur la sous-marinade. Malgré les limites de l'armée russe, on l'a vu, les Américains le savent très très bien, et les Français d'ailleurs aussi le savent très très bien, la dimension sous-marine russe reste dans le top 4 ou dans le top 5 des capacités militaires en matière de sous-marinade, parce qu'il y a un savoir-faire très fort, même si leurs sous-marins on a peu confiance dans leurs sous-marins en termes de sécurité. Mais en tout cas, ça reste un compétiteur stratégique essentiel dans les rapports de force. Et sur ce sujet-là sous-marin, bien évidemment, les Chinois sont rapprochés des Russes et probablement ont pu évoluer ensemble. C'est-à-dire que, concrètement, avoir un officier russe à bord d'un sous-marin chinois et inversement pour apprendre des Chinois dans l'équipage à bord de sous-marins russes. Voilà.
Pour autant, ils n'ont pas de centre de commandement joint. Pour l'instant, ils font des exercices militaires conjoints. Mais le degré d'approfondissement n'est pas ce qui peut être, par exemple, au sein de l'OTAN. Ou... Exactement. Et c'est pour ça, voilà, exactement, Gaëlle. Merci beaucoup, parce que ça permet de clarifier sur les termes, sur la sémantique. C'est-à-dire, c'est coordination et non pas de l'alliance. Au sens otanienne, au sens de coordination au niveau des commandements, des hommes à tous les niveaux, d'une logistique qui est fluide, qui est bien huilée, si je puis dire, etc., et de faire une forme de multilatéralisme intégré qui s'entraîne en permanence, qui réfléchit, qui standardise, ce qui n'est pas effectivement le niveau de cette coordination sino-russe qui est ponctuelle. Donc des armes, de l'hydrocarbure, du territoire, de l'histoire. Jean Sylvestre, est-ce que vous voyez autre chose dans les services que peuvent éventuellement fournir les Russes aux Chinois ? Du point de vue chinois, on se place quand même dans la possible perspective d'un affrontement avec les États-Unis. On connaît le détroit de Taïwan, la mer de Chine du Sud. On regarde ça souvent de façon lointaine en Europe. Mais la mer de Chine du Sud, ce qu'on pourrait appeler la Méditerranée asiatique, les Chinois n'aiment pas généralement quand on dit ça. Mais c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Donc le fait est que c'est le même ordre de grandeur et c'est à peu près le même type de configuration que la Méditerranée. Donc c'est comme si un seul État riverain de la Méditerranée revendiquait la totalité de cet espace maritime. Donc toujours est-il là que les dirigeants chinois, je pense qu'ils se placent dans la perspective d'une grande confrontation. Peut-être qu'ils pourraient éviter la guerre, mais l'idée c'est quand même de tordre le bras aux États-Unis et puis de devenir la puissance de référence, la principale puissance dans le Pacifique, en tout cas au moins pas dans le Pacifique occidental. Et dans une telle perspective, ils ont besoin de la Russie. Et ça, c'est ce qui fait leur alliance. Il y a quand même une interdépendance géostratégique, voire géopolitique, entre la Russie et la Chine. C'est un peu comme un dos à dos, finalement. La Russie voudrait s'appuyer sur la Chine pour régler ses revendications géopolitiques sur ses frontières occidentales, c'est-à-dire au détriment de l'Europe. Et puis la Chine, eh bien, elle cherche à s'appuyer sur la Russie pour ses revendications sur Taïwan et plus largement en mer de Chine du Sud et dans le Pacifique occidental. Alors si on se place dans cette perspective, ils ont besoin notamment de tout l'approvisionnement énergétique, pétro-gazier, au-delà les minerais, etc. La Chine, pour eux, alors c'est vrai qu'ils ont commencé par l'Asie centrale, mais la Russie, pardon, pour la Chine, c'est finalement un gigantesque hinterland énergétique et ça permet d'apporter des réponses à ce qu'on appelait dans les années 2000 le dilemme de Malacca, le fait que l'essentiel du pétrole importé par la Chine a passé par le détroit de Malacca, par les détroits indonésien, et que en raison de la supériorité navale maritime des États-Unis, ça crée une vulnérabilité. Là, ils apportent une réponse, ils renforcent les interconnexions énergétiques avec la Russie. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, d'une manière générale, dans le rapport des forces globales entre la Chine d'un côté et puis les États-Unis de l'autre, l'apport de la Russie, il est quand même essentiel, même si c'est une Russie diminuée, même si on raisonne en termes purement macroéconomiques. La Russie, ça pèse pas beaucoup, c'est moins de 2% du PIB mondial, et donc la Chine, ça va être quelque chose comme 18-19% aujourd'hui. Après, il faut avoir aussi quand même une vision beaucoup plus qualitative dans un certain nombre de secteurs clés, comme le pétrole, le gaz, les minerais, les exportations de céréales, le nucléaire aussi, pour lequel la Russie doit conserver, je parle du nucléaire civil, mais aussi par extension le nucléaire militaire. La Russie conserve un avantage comparatif par rapport à la Chine, le fait est que c'est un allié extrêmement précieux. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une interdépendance entre les deux. Alors après, ils peuvent se regarder réciproquement avec du mépris, de la condescendance, mais ça, c'est vrai de toutes les alliances. On n'a jamais dit qu'une alliance, c'était Rox et Rookie, amis pour la vie, et puis que c'était fondé sur une pure intimité. Et d'ailleurs, c'est la différence entre l'amitié au sens général, j'ai commencé par ça, telle qu'elle est définie par Aristote, et puis l'amitié politique, sur le plan international, qui est fondée sur un calcul de force. Donc ça, c'est vrai de toutes les alliances. Et il y a un grand historien qui a un petit
petit peu oublié en France. C'est Albert Sorel qui avait fait une histoire générale des guerres de la Révolution et de l'Empire en plusieurs volumes, qui est peut-être plus célèbre, enfin célébré, c'est pas le terme juste, mais qui est peut-être plus enseigné aux États-Unis dans les milieux diplomatiques qu'en France. Mais c'était une véritable star de l'histoire diplomatique fin 19e, début 20e. Il s'était fait une spécialité d'étudier l'histoire des différentes coalitions que la France avait dû affronter à cette époque-là, sous la Révolution et son Empire. Et il montre que dans toutes ces coalitions, dans ces alliances, il y a de multiples pensées, arrière-pensées, coups tordus, etc. Mais c'est le propre de toute alliance. Pour moi, ça n'invalide pas le fait qu'il y ait une alliance. Alors ensuite, oui, peut-être rapidement, déjà je pense qu'il faut un peu rééquilibrer, si vous voulez, dans ce contexte, le rapport des forces internes à cette alliance sino-russe. Les Russes sont peut-être pas aussi faibles qu'on peut le penser. D'autre part, les dirigeants russes, Vladimir Poutine le premier, ont bien intégré le fait que la Chine, aujourd'hui, était devenue une superpuissance, qu'elle avait beaucoup gagné, puis qu'eux avaient beaucoup perdu. Mais ils acceptent le fait, parce que c'est une donnée de fait, tout simplement, il faut faire avec. Et leur idée, c'est de pratiquer une sorte de maraudage géopolitique dans le sillage de la Chine. Donc appuyer la Chine dans ses ambitions pacifiques, je parle du Pacifique occidental, pas de Pacifique au sens de heureux les Pacifiques. Les ambitions de la Chine sur la scène internationale, dans la sphère pacifique, et puis jouer leur propre partition. L'un cherche à s'appuyer sur l'autre. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Et quelque part, je termine là-dessus, ça nous renvoie ça nous envoie aux origines de la Moscovie. Il faut se rappeler qu'au XIIIe siècle, lorsque Kiev a été détruit par les Mongols, la principauté de Moscou, c'était trois fois rien. Et c'est en acceptant finalement de jouer les intermédiaires dans le cadre de la paix mongole que la Moscovie, peu à peu, a pu prendre le pas, le dessus sur les autres principautés slaves orientales. Parce qu'à l'époque, à parler de Russes ou d'Ukrainiens, c'est quand même très largement anachronique. Ils ont pris le pas. Et puis, au XVIe siècle, sous Pierre le Grand, c'est le changement de nom. La Moscovie, désormais, se considère comme étant la Russie. Mais bon, à cette époque, ils se sont émancipés de la domination mongole. Mais c'est quand même en s'appuyant sur cette domination mongole, sur cette supériorité mongole, que la Moscovie a pu peu à peu monter en puissance. Donc je pense que quelque part, dans les représentations géopolitiques, les données historiques, c'est quelque chose d'extrêmement important, ou l'histoire qu'on se raconte, mais peu importe. Si on y croit, c'est un fait psychique, sa inefficacité. Je pense que les dirigeants russes raisonnent de cette manière. Donc si on pense, si vous voulez, les mettre en contradiction en soulignant le fait que la Chine est beaucoup plus puissante, beaucoup plus maligne qu'eux, je ne crois pas. Ils savent très bien que la Chine est beaucoup plus puissante. Ils font avec. Tout à fait. Galia, il y a un cadre dont on a... Et j'ai vu que Philippe a pris le micro peut-être pour commencer à le faire circuler afin qu'on puisse interagir avec la salle. Mais juste un petit mot peut-être, Galia. Il y a quand même une sphère dans laquelle cette entente, en tous les cas, se manifeste. C'est la sphère diplomatique. Et je pense notamment aux Nations Unies, puisque depuis la création du Conseil de sécurité, je crois qu'à L2, la Russie et la Chine sont les nations qui ont le plus fait usage de leur droit de veto. 17 fois, je crois, en commun depuis 2007. Et bien, on ne va pas tous lister tous les exemples, mais je pense au Kosovo en 99, ou alors pour condamner les fusions de sang sous Bachar al-Assad en Syrie au début des années 2000. Est-ce que ce n'est pas là aussi que se concrétise finalement cette entente et ces services rendus à la fois par la Russie à la Chine et la Chine à la Russie? On le voit quand même en ce moment. Oui, c'est en effet un aspect important. On a déjà beaucoup parlé aujourd'hui de ce rejet de l'Occident, de cette opposition à l'Occident. Russie, ça a graduellement augmenté et la position maintenant s'est radicalisée, bien sûr, après le début de l'invasion de l'Ukraine, mais il ne faut pas oublier que ça a commencé en 2007 par le célèbre discours de Poutine à Munich. La Chine, grosso modo, partage les mêmes idées, tout simplement parce que, bien sûr, la Chine
est la détentrice d'une grande partie de la dette américaine, et donc elle peut déjà jouer sur ce registre. Mais surtout les deux pays ont compris qu'il faut affaiblir, voire anéantir en tant que superpuissance les États-Unis. Il y a le projet de dédollarisation qui est très activement appliqué par BRICS. Les paiements mutuels entre la Russie et la Chine se font maintenant en yuan et en rouble. Il y a le projet qui est maintenant commun à BRICS. Et bien sûr, pour mener à bien cette barque contre le monde occidental, et en premier lieu les États-Unis. D'ailleurs, ça change parce que la conception était commune que le grand Satan, c'était l'impérialisme américain, et que l'Europe était déjà vassalisée par les États-Unis. Donc, si on casse les États-Unis, on va aussi casser l'Europe. Je crois qu'avec la guerre en Ukraine, ça a changé parce que l'Europe a montré qu'elle était quand même capable d'unité, de cohésion, de sanctions communes, d'aide militaire considérable, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est de changer l'ordre géopolitique mondial en faveur d'un soi-disant monde multipolaire, mais en réalité d'un monde où la Chine, la Russie et à tout casser quelques autres États se partagerait la vedette. Et donc, les résolutions de l'ONU servent à contenir les États-Unis et l'Europe. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Non, ouais, tout à fait. Le projet de repolarisation et surtout le souhait que la relation sino-russe soit, sinon au moins, voire carrément plus structurante dans les relations internationales que la rivalité sino-américaine. Donc créer un pôle d'influence, et les BRICS sont vraiment un filon qu'ils sont en train d'exploiter, et avec un certain succès vu la longue liste d'attente de nations qui souhaitent rejoindre, y compris apparemment le président français qui aimerait être là en guest star, mais ça lui a été refusé par la Russie a priori. Est-ce qu'on ne commencerait pas à faire circuler le micro, Philippe? Tenez. J'essaie de le faire fonctionner en attendant. Oui, on pourrait résumer ce débat comme une dialectique entre la mise en relief de la collusion et la mise en relief des rivalités, voire de l'hostilité. Et pour ma part, je crois que la dimension de l'hostilité et de l'opposition pèse beaucoup plus lourd que vous ne l'avez dit, Galia et Jean Sylvestre, et que dans ce projet d'alternative à la domination des États-Unis, qui est censé rassembler la Chine, les BRICS, etc., la Russie est un boulet et non pas un partenaire utile. La Russie, je pense, ne sert à rien, bien au contraire. Et par ailleurs, la survassalisation ne peut pas ne pas, me semble-t-il, susciter un retour de bâton. Et puisqu'on a évoqué l'histoire, il y a un élément de l'histoire qui n'a pas été cité et qui est pour l'instant complètement oublié, mais qui pourrait ressortir, c'est la haine entre la Chine communiste et la Russie communiste post-stalinienne, qualifiée de social-impérialisme par la Chine maoïste, hostilité qui a été jusqu'à la guerre, un affrontement militaire qui a même été considéré à certains moments comme dangereux pour l'équilibre et la paix du monde. Alors, si on ajoute ce souvenir
au problème de la conquête de l'Asie centrale, et on l'a peu évoqué, mais je pense qu'on l'a tous en tête, à la concurrence sur la domination de l'Afrique, parce que la Chine colonise lentement mais sûrement l'Afrique depuis plusieurs années, par le biais de la finance, de la construction d'infrastructures et de l'achat de l'Afrique. La Russie, de son côté, fait un peu la même chose, mais de manière brouillonne et archaïque, par le soutien militaire aux dictatures africaines et la prédation des richesses de l'Afrique, ce qui est beaucoup plus précaire et peu durable que la méthode chinoise. Bref, moi, je pense vraiment que nous sommes devant une rupture entre la Chine et la Russie, qui aurait avantage à la favoriser, et plutôt qu'à la considérer comme une nécessité géopolitique et idéologique. Alors, je ne sais pas. Je crois que ça y est, il marche, là, vous m'entendez, non ? Oui, ouais, ça marche. Alors, on se dirige plutôt vers une rupture. Marie, vous en pensez quoi ? Plutôt qu'une consolidation ? Je ne peux pas répondre à ça. Mais en revanche, je peux dire autre chose. Je pense que l'économie chinoise qui impressionne tout le monde est beaucoup moins impressionnante maintenant. Il y a le problème démographique. Les Chinois en ont parlé. Hein. Maintenant, ils voudraient que tout le monde fasse 3 enfants. Après avoir matraqué les femmes pour qu'elles n'en fassent qu'un, maintenant, ils veulent les matraquer dans l'autre sens pour qu'elles en fassent 3. Enfin, c'est vraiment hallucinant comme stratégie, comme violence et comme bêtise. Donc, il y a ce problème de la démographie en berne, là, maintenant. Et puis, il y a le problème de la corruption, qui est très grave. On a quand même eu une bulle spéculative dans l'immobilier qui a explosé. Maintenant, l'immobilier, pour rappel, c'est quoi ? C'était la compagnie Evergrande. C'est 20% de l'économie chinoise, je crois. C'est ça, massif. C'est énorme. Hein. Ouais. C'est énorme, parce que l'immobilier est une source très pratique. Enfin, était une source très pratique pour la corruption. C'est-à-dire que dans les campagnes, les petits maires des villes vendaient du terrain et gagnaient de l'argent. Et en fait, c'était pratiquement leur seule source d'enrichissement. Et la corruption marchait très, très fort de ce côté-là. Là, ça commence un peu à s'épuiser. Mais il y a aussi un chômage massif chez les diplômés. Or, maintenant, c'est pratiquement un diplômé sur 5 qui ne trouve pas de travail. Et encore, je crois que c'est un chiffre assez optimiste. C'est peut-être pire que ça. Et qui se résout à devenir livreur Uber, etc., etc. Donc, je pense que dire que l'économie chinoise est triomphante, ça a été vrai, mais je ne sais pas si ça va continuer. C'est pas sûr. Voilà. Mais peut-être que plus elle s'affaiblit, cette économie chinoise, et plus elle va avoir besoin de la Russie. Je ne sais pas si, Emmanuel, vous avez un point de vue là-dessus, c'est-à-dire on retourne la table et on se dit qu'on ne se dirige pas du tout vers une consolidation, mais plutôt une désagrégation de cette alliance, cette entente, à la force de l'actualité des choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? À ce stade, je pense que sur différents sujets, la consolidation n'est pas prête encore de disparaître. Là, c'est une question de temps, mais le temps est assez court, quelques semaines, quelques mois, à ce stade vraiment. Pourquoi ? Parce que pour Pékin, mais aussi pour Moscou, l'un est trop indispensable dans ce fameux front anti-occidental ou contre l'Occident, contre l'OTAN, etc. Fondamentalement, Pékin a encore beaucoup besoin, et ce qu'on évoquait, le fait que la Russie existe en tant que telle avec le système du Kremlin et poutinien est beaucoup trop utile encore aujourd'hui, même s'il a une façade, il a une facette, plutôt qu'une façade, une facette boulée, fondamentalement. Ça ne rend pas que les services, mais c'est comparable aussi avec la Corée du Nord, si je puis dire, du point de vue de Pékin. Donc beaucoup trop utile dans l'appareil diplomatique chinois pour être abandonné, le désolidariser trop vite, trop rapidement. Pour autant, et c'est là qu'on rentre dans une forme de pensée complexe, si je puis dire, c'est une question du temps court qui n'est absolument pas irréversible. Et si on se projette sur un temps un peu plus long, c'est-à-dire quelques mois de mon point de vue, quelques mois,
le sujet la peut, capitulation de le Moscou. Sujet peut évoluer très très vite, ouais. Effectivement, du point de vue de Pékin essentiellement, vis-à-vis de Moscou, et c'est pour ça qu'on évoquait un potentiel après Poutine, ou avec qui on peut traiter, avec qui on peut dealer. On pourrait avoir des surprises avec cet avantage pour Pékin que physiquement, ils sont déjà présents dans une large partie de la Russie. Mmh. En matière financière, ils sont présents, même en matière bancaire, en matière monétaire. Vous l'avez rappelé avec l'importance du yuan, mmh. maintenant dans le paquet d'échanges, dans différents contrats avec la Russie. Mais j'insiste bien, physiquement présent en matière démographique. Il y a le rappelé avec les fameux mariages mixtes, etc., de métissage. Alors, je ne vais pas faire la métaphore de l'œuf, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand vous cassez un œuf, qu'est-ce qui reste, etc. Fondamentalement, c'est bien ça qu'il y a, de cette présence physique, démographique, qui est déjà là. Et je pense qu'on peut faire l'hypothèse, dans l'éventualité d'une désolidarisation, en tout cas de fragmentation sino-russe, et non pas de consolidation sino-russe, que le pouvoir à Pékin, malgré les difficultés économiques, démographiques, sociales, etc., misera sur la capacité pour la survie du régime pékinois lui-même de miser sur tel ou tel olibrius au Kremlin, tel ou tel oiseau, tel ou tel zozo, pour poursuivre la manœuvre, y compris en matière diplomatique, en dehors de la sphère sino-russe, sur le théâtre africain, sur le théâtre latino-américain, et je vais en terminer par là, sur le théâtre moyen-oriental, et l'exemple, et j'en termine par là, c'est la stupéfaction, élargissement des BRICS depuis le début de l'année, avec le retour... non pas de la main tendue saoudienne et iranienne à Pékin, et non pas au Moyen-Orient, mais à Pékin, et que l'Arabie saoudite a fait le vœu de vouloir rejoindre les BRICS, l'Algérie, largement soutenue par Moscou et par Pékin, l'Égypte, les Maldives, bon, tout un tas d'autres, mais aussi d'autres acteurs internationaux, d'autres organisations internationales type OCS, Organisation de coopération de Shanghai, qui là est d'essence essentiellement chinoise, puisque le siège est à Pékin, même si dans les membres fondateurs, Moscou en faisait partie, avec quelques républiques d'Asie centrale. Fondamentalement, là, ce jeu-là, à mon avis, plus que le sillon russe, c'est d'abord et avant tout le poids de la Chine dans ces organisations-là, qui n'est pas l'unique donneur d'ordre, mais qui est en tout cas un donneur d'ordre très prépondérant. Très influent, oui. Est-ce qu'il y a... Voilà, je vois que le micro commence à circuler. Merci. Concernant le conflit en Ukraine, qui est le centre aussi de toutes les attentions, où on dit que la Chine peut jouer un rôle clé comme médiateur, finalement, et je pose la question à chacun des participants, est-ce que finalement l'intérêt fondamental de la Chine n'est-il pas que ce conflit se prolonge dans le but d'affaiblir encore plus la Russie et qu'il puisse, comme disait Emmanuel Véron, vassaliser encore plus leurs partenaires, le contrôler et qui soit en position de force pour ramasser la mise ensuite en Sibérie et ailleurs. Je pense que la Chine mise à long terme sur l'affaiblissement de la Russie pour la vassaliser, mais je ne crois pas que ce soit son intérêt immédiat. Maintenant, elle a proposé un plan de paix qui est bien sûr un plan totalement bidon parce qu'il est irréalisable. Mais ça donne à la Chine une visibilité sur la scène internationale. En fait, c'est quand même assez nouveau que la Chine commence à prendre une partie importante dans les affaires internationales, que la Chine établit des alliances, réconcilie les pays qui étaient en brouille, etc. Donc, je pense que, encore une fois, s'il se trouve que la Russie s'affaiblit, ça jouera la carte de la Chine. Si la Chine arrive à avancer l'affaire de la paix, ça servira aussi la cause de la Chine.
Donc, en fait, ils ne sont pas tellement perdants dans cette affaire parce qu'ils ont pris quand même une position assez prudente. Ils n'ont jamais reconnu l'annexion de la Crimée, malgré toutes les mitiés. Ils ont été, probablement, ils ont validé cette guerre, comme Jean-Sylvestre l'a mentionné lors de l'ouverture des Jeux olympiques. Mais néanmoins, ils n'ont jamais soutenu cette aventure. Et ils ont quand même dit, sans trop de précision, qu'ils sont pour les frontières internationalement reconnus. Mais encore une fois, ils risquent d'être gagnants dans cette situation, presque quoi qu'il arrive. Et si l'Ukraine gagne, moi je parie, j'espère qu'elle va gagner bientôt, que les Chinois seront dans les premiers rangs des pays qui vont assurer la reconstruction de l'Ukraine. Bien sûr. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une autre question. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Bonsoir. Merci beaucoup pour toutes ces interventions très, très passionnantes. J'ai deux remarques, questions. Pour donner peut-être un peu d'optimisme au camp occidental, parce qu'en vous écoutant, on a quand même l'impression qu'on est mal barré. Il y a un dossier de The Economist, il y a quelques semaines, qui disait que finalement, on a sans doute... on approche, on a peut-être même déjà dépassé le pic chinois, c'est-à-dire que la contribution de la Chine à l'économie internationale, à l'économie mondiale, est peut-être a atteint son sommet et va maintenant décroître, hein, ce qui est quand même assez, j'ai trouvé ça assez, assez fascinant. Vous avez peut-être des informations ou des développements à faire sur ce point-là. On a entendu les problèmes démographiques de la Chine, on a entendu les problèmes de corruption. Et je voudrais ajouter une deuxième élément en tant que scientifique, maintenant à la retraite. Il me semble qu'un système basé sur les principes qui ont été évoqués, que ce soit en Russie avec ces strates inégalitaires, ce système qui récompense non pas les compétences, mais un certain conformisme, voire... une stabilité, une forme de stabilité sociale très malsaine finalement, ou en Chine un système qui est basé sur la volonté d'un seul homme, donc qui ne permet pas l'expression de toute la créativité individuelle d'une population. Est-ce qu'un système comme des systèmes comme ceux-là peuvent à long terme faire le poids à côté de systèmes innovants où la liberté individuelle est promue, où l'écosystème, pour prendre le terme, de la recherche et l'innovation n'a rien à voir avec ce qui peut exister là-bas. Est-ce que à long terme, ces systèmes-là, la Russie, la Chine, peuvent vraiment l'emporter ? Alors, deux questions. On va commencer par la première. Peut-être Emmanuel, est-ce que vous pensez, et effectivement, monsieur a raison, le dossier du Economist était vraiment absolument passionnant, et Marie, vous avez commencé à en parler avec la crise immobilière, la corruption, un diplômé sur cinq qui est au chômage, une sortie de restrictions Covid quand même pour le moins hasardeuse. Est-ce que finalement, on se dirige vers peut-être une période de décroissance chinoise ? Il y a des faits pour étayer ça, Emmanuel ? Oui, alors... A priori, je suis. L'hypothèse que vous formulez, je la partage totalement. Et on peut même y répondre par oui, le système n'est pas viable dans la durée. Le fait d'avoir une restriction sur la liberté d'innover, de penser, de créer, etc., est un système qui est de fait, par définition, mortifère. Ça, c'est clair. Mais pour autant, je vois au moins deux aspects. Je dissocie vraiment sur ces sujets-là, Russie de la Chine. La Russie, me semble-t-il, a priori, on le voit tous les jours, est de plus en plus faible. Et ce n'est pas être anti-russe que le dire, c'est factuel. Sur l'économie, sur l'ingénierie, sur la capacité de tout, de construction, etc., le pays s'effondre, s'effrite, enfin, tous les adjectifs assez ternes que vous pouvez avoir en tête. Et je dissocie de la Chine parce que les structures géographiques, historiques, démographiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Finalement, la Russie, c'est la continuité de l'Union soviétique où il y avait une faiblesse
dans l'innovation et la diversification de l'innovation, mais aussi à la base de l'économie, ce que précisément la Chine a réussi à, malgré un régime très très dur, à ne pas suivre. Si Mao a eu 30 premières années de régime, 49-79 hein, ou 49-76, avec une économie pas ou peu diversifiée, le vrai tournant, le changement de paradigme arrive avec Deng Xiaoping, début des années 80, et on est encore dans cette ère-là aujourd'hui, où finalement le parti a réussi à grands coups de phase d'espionnage, hein, c'est un état espion, c'est pas une succession d'espions, etc., d'agents, c'est un état espion, a réussi à diversifier l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aurait pas, face aux États-Unis, un compétiteur étatique qui serait en mesure d'aligner une capacité militaire, même s'ils ne savent pas faire la guerre et ne savent pas utiliser les armes, en tout cas rivaliser sur des sujets de 5G, d'intelligence artificielle, de physique quantique, etc., etc., etc. Donc fondamentalement, je dissocie les deux, Russie d'un côté, Chine de l'autre. Pour autant, eh bien évidemment, on a un certain nombre de signaux qui font que, et l'économie en premier lieu, la Chine est en train de sortir de moi ce que j'appelle l'euphorie d'il y a 20 ans. C'est fini la chinophorie, qu'on allait en Chine faire des affaires, tout le monde était ami, on faisait n'importe quoi, les soirées étaient arrosées jusqu'à... Enfin, je passe sur les détails, vous avez compris, vous êtes un scientifique. Ce temps-là, cette Chine-là n'existe plus pour des raisons d'essoufflement de l'économie elle-même, de ce modèle extrêmement euphorisant lui-même, mais aussi par une reprise en main sec par Xi Jinping et ses troupes de tout ce qui pouvait être perçu comme étant un système de corruption, bien sûr, mais aussi comme rivalité propre au système de Xi Jinping lui-même et à ses cliques, à ses turiféraires. Et ça, dans la durée, c'est pas viable. Ça, c'est clair. Mais, ouais. mais la profondeur démographique, la profondeur stratégique chinoise permet encore à ce stade d'accumuler, d'encaisser des chocs. Voilà, je le formulerai de cette manière-là. 1,4 milliard d'habitants, c'est vrai que ça donne quand même une certaine profondeur. Même si vous avez raison, je crois que la croissance à deux chiffres en Chine, c'est terminé. Je crois qu'ils sont à 5%, ce qui nous fait rêver, mais ce qui pour eux est quand même un net ralentissement. Galia, je crois que vous aviez un mot à dire là-dessus. J'ai pas oublié votre deuxième question. Je pense que c'est un scénario très optimiste de penser que l'Occident, grâce à ses valeurs, grâce à son mode de vie, grâce à ses libertés, triomphera nécessairement. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des périodes éclairées, il y a aussi des époques sombres. Et il y a maintenant beaucoup d'auteurs, je n'invente pas ça, comme par exemple Pierre Servan dans son dernier livre, Le monde de demain. Comme par exemple Sergei Gouriev avec un autre co-auteur dont je n'ai pas retenu le nom, qui parle de spin dictator, c'est-à-dire les dictateurs qui s'appuient sur les nouvelles techniques de manipulation des masses. Et on voit qu'en fait, les dictatures ont encore probablement un avenir devant eux, parce que dans beaucoup de pays, les gens qui n'ont pas de tradition démocratique très ancrée, les gens sont manipulés. Il y a aussi une sorte de difficulté intellectuelle de concevoir ce monde en changement très rapide qui déstabilise. Il y a une avancée en matière sociétale dans les pays occidentaux qui est très mal perçue dans une grande partie du monde. Et donc tout ça, ça fait que voyez par exemple l'exemple de la Turquie récent. Il y a eu cette coalition de 6 partis. Il y a eu, je connais pas mal de Turcs qui étaient très euphoriques à quelques mois d'élection en disant mais tu verras, cette fois, Erdogan, on aura sa peau. Eh bien, qui a gagné? C'est Erdogan. Donc, moi, personnellement, je pense que l'Occident ne doit pas se rendre, que nous devons, au contraire, élaborer des stratégies, comment rendre notre modèle plus attrayant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, parce que notre propre survie en tant que modèle dépend de la réponse à cette question. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement il y avait récemment, et c'est le Intelligence Unit du Economist qui avait fait un panorama mondial avec une gradation de couleurs, je crois qu'il y avait bleu foncé, bleu clair, orange et rouge.
bleu foncé étant les régimes purement démocratiques, où ils avaient établi 5 critères. Il y avait les régimes semi-démocratiques, d'ailleurs les États-Unis en faisaient partie. Il y avait les, on va dire, totalitarismes soft et les dictatures. Et ils avaient établi que seul, je crois, le chiffre, c'était quelque chose comme 34% de la population mondiale vit en démocratie. Donc effectivement, on est en minorité. Après, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous faites le tour du monde et que vous proposez aux gens, on va dire, 3 passeports, un qui mène à Pékin, un qui mène à Moscou et un qui mène à New York ou Paris, où que vous alliez, je ne suis pas certain qu'il y ait énormément de candidats à Moscou ou Pékin. Donc je pense que c'est des systèmes de fonctionnement quand même assez différents. Il y en a qui génèrent du désir et d'autres de la peur. Et donc, voilà. Mais le problème qu'on ne propose pas ce passeport pour la démocratie. Alors, exactement. Plutôt des valeurs que des passeports. Jean-Sylvestre, peut-être je voulais vous entendre là-dessus. Je pense que la question de monsieur, finalement, et c'est ce qui est en toile de fond, ce qui se joue en ce moment, c'est ce grand affrontement entre démocratie et autocratie. Et est-ce que la démocratie est vouée à l'échec? Oui, non, et pourquoi? La question est trop massive là, pour que je puisse répondre. Elle est large. Je voudrais quand même rappeler, c'est que ce qu'on appelle la révolution des sciences au XVIIe siècle, là, ça ne se produit pas dans une Europe démocratique. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation aussi étroite entre système politique, d'une part, et puis d'autre part, découverte scientifique, innovation technologique. Là, je rejoindrai un petit peu... on a une vision un peu... C'était d'ailleurs au cœur de la thèse de Fukuyama, qui est excellente par ailleurs. Je ne fais pas partie de ceux qui passent leur temps à expliquer que Fukuyama a dit n'importe quoi avec la fin de l'histoire, mais au cœur de sa thèse, entre autres, en tout cas, il y avait l'idée que, ne serait-ce que pour des raisons purement pratiques, un certain nombre de systèmes autoritaires allaient se libéraliser dans leur quête de puissance, parce que la puissance repose sur les sciences, les techniques, les sciences et les techniques impliqueraient un climat de liberté, et pour des raisons donc de quête de puissance, ils seraient peu à peu amenés à lâcher du lest, et ensuite il y a un processus politique qui pourrait leur échapper et conduire, sinon à une démocratie, du moins à des gouvernements plus libéraux, à des gouvernements décents. Là, on a quand même 25-30 ans de recul, et même un petit peu plus, oui, si, ça fait ça, un petit peu plus de 30 ans, hein, puisque le premier essai qui avait été publié dans Foreign Policy, bah, de mémoire, ça devait être en 1989, et puis La fin de l'histoire et le dernier homme, ça a été publié en 1992. Donc on a le recul, et puis on s'aperçoit qu'un certain nombre de systèmes, notamment le système chinois, en dépit de ce total totalitarisme qui a demeuré, même si c'est vrai que c'était devenu un totalitarisme de basse intensité, en dépit de la structure léniniste du pouvoir, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est ça, la Chine, ils avaient pu isoler un certain nombre de domaines dans lesquels ils ont démontré une certaine efficacité. Et donc il n'y a pas cette corrélation aussi étroite qu'on peut le penser entre d'un côté le mouvement des sciences, des techniques, et puis d'autre part la démocratisation. Donc il n'y a pas de fatalité, à mon sens. Et finalement, ça renvoie à ce que je voulais dire dans l'introduction, c'est cette conception de l'histoire aronienne comme dialectique entre le procès et le drame. Il y a des facteurs profonds qui jouent sur des temps longs, et puis ensuite, il y a des choses qui se jouent sur des temps plus courts. Il y a le rôle de la liberté humaine, des passions, des événements qui peuvent modifier fondamentalement des processus qui semblaient pourtant devoir se développer sur des temps beaucoup plus longs. Mais l'histoire est ouverte. Et ça, d'ailleurs, c'est sur les rapports sino-russes, c'est ça. Pour moi, il y a un certain nombre de processus qui vont dans le sens d'une alliance toujours plus étroite. Et ce n'est pas parce que cette alliance serait dissymétrique qu'elle serait fragilisée. Je ne vois pas en quoi les alliances devraient être égalitaires. Ça, c'est peut-être une vision un petit peu française. On projette nos jacobinismes sur l'histoire des relations internationales. Mais quand on regarde à la succession des alliances dans l'histoire diplomatique, on a des alliances de tout type. Et finalement, c'est rarement des alliances égalitaires. Et si on projette ça d'ailleurs dans le monde économique, une firme qui reposerait sur le principe 50-50, on sait qu'elle est complètement ingérable. Là, il faut quand même qu'il y ait au moins un ou deux partenaires qui aient l'ascendant et puis qui puissent donner une direction à cette firme. Donc même si la Russie continue à s'affaiblir, ce qui est le plus probable, ça n'induit pas pour moi mécaniquement une mise en péril de cette alliance sino-russe.
russe. Et donc le processus me semble aller dans ce sens-là. Alors après, on retrouve le drame. Et pour moi, le drame, c'est la guerre d'Ukraine, mais pas au sens dramatique du terme, si vous voulez, commun du terme. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si l'Ukraine l'emporte, hein, et si l'Occident, finalement, à travers à la victoire de l'Ukraine, de façon indirecte, l'emporte également, ça peut être un facteur perturbateur, hein, dans les rapports entre la Chine et la Russie. Hein. Le fait est que ça viendra quand même changer complètement les calculs politiques et à Moscou et à Pékin. Et là, eh bien, ça ouvrira le champ des possibles et on retrouvera une histoire ouverte. Hein. Donc, en tout cas, pour ma part, il n'y a pas de pessimisme. Hein. De façon, pessimiste ou optimiste, on est toujours dans l'idée d'une histoire nécessaire, hein. Que ce soit une ascension vers le haut, c'est le progressisme qui devrait l'emporter nécessairement, etc. Ou alors inversement, une vision purement décadentiste, hein. Les décadents, ça existe quand même. L'Empire romain, que je sache, il n'existe plus. Parce qu'on peut toujours dire, non, la décadence, c'est une fiction, c'est une histoire qu'on se raconte. Et bon, il y a quand même un certain nombre d'États, d'empires, de civilisations qui ont disparu. Et généralement, ça ne s'est pas fait comme ça sur un claquement de doigts. Il y a eu avant un processus de déclin, de décadence. Hein. Mais bon, après, il y a cette vision d'une histoire nécessaire, hein, qui serait nécessairement orienté vers le bas, et puis ensuite, à l'opposé, on a ce qu'on pourrait appeler la conception traditionnelle de l'histoire, puisqu'on la retrouve déjà, c'est Thucydide, c'est-à-dire une histoire ouverte, où on peut poser des actes, ce qu'on pourrait appeler des actes souverains, qui viennent à modifier complètement le cours des choses, qui induisent des bifurcations historiques. Et je pense que c'est là où nous en sommes. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de volonté, non pas de volontarisme. Il ne s'agit pas de prendre ses désirs pour des réalités, et puis de penser que finalement, l'histoire universelle, ça serait un concours de beauté, on est beaucoup plus séduisant, on l'emportera nécessairement, etc. Mais la volonté articulée sur des capacités, avec une claire conscience, d'une part, des servitudes qui pèsent, et parmi les servitudes, il y a quand même un déplacement des équilibres de puissance et de richesse vers l'Asie, qu'il faut prendre en compte, et puis d'autre part, il y a un certain nombre d'ouvertures, de possibilités, de marges d'action qui existent. Et il faut prendre en compte les deux pour pouvoir agir de façon efficace. Ouais. Monsieur. Merci pour vos interventions. C'est absolument passionnant. Alors, je suis un scientifique aussi et je vois que nous vivons dans un monde multipolaire, alors qu'avant, on était dans un monde bipolaire. Et il y a beaucoup de chercheurs qui regrettent la stabilité qu'on avait dans ce monde bipolaire, tant de l'Union soviétique et de l'Occident. Mais si on peut schématiser, on peut dire qu'il y a donc trois joueurs majeurs qui sont les États-Unis, la Chine et la Russie au niveau un peu plutôt militaire, puisque l'Europe suit un peu les États-Unis. Et moi, je pense que la Chine, et ça a été un peu dit dans le cas d'une victoire nette de l'Ukraine, la Chine... Elle voit bien sûr les États-Unis comme le concurrent principal. Elle a réussi à créer des associations autour d'elle. Vous avez fait mention de cela. Et la Russie et la Chine se sont mis d'accord pour faire des échanges dans leur monnaie et essayent de le généraliser à tous les BRICS. Et ça, c'est dans leur intérêt, bien sûr. Mais je pense que la Chine, en visant une concurrence avec l'Occident, a intérêt à affaiblir la Russie. Parce que la Russie n'est pas un partenaire fiable pour elle. Et elle a vacillisé, comme avait dit Emmanuel. Mais elle n'a pas intérêt à le montrer. Donc je pense qu'elle ne le montre pas, mais elle ne le pense pas moins. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis donc, ma deuxième question, c'est pour venir à cette politique de bloc. En 1973, Nixon et Kissinger ont pensé dans cette politique, ils ont commencé à voir le problème à trois corps, et ils se sont dit comment affaiblir cette isolation que nous avons, et c'est en parlant d'abord aux Chinois et après aux Soviétiques. Et évidemment, aujourd'hui, c'est complètement différent. On a des échanges intenses avec la Chine, en particulier économiques, mais à quel point est-ce qu'on peut agir, nous, occidentaux, pour justement affaiblir des possibilités, quand même, donc je contredis ce que je disais avant, d'association entre la Russie et la Chine. Oui, absolument. Alors ça, c'est encore autre chose, quoi. C'est les limites du soutien de la Chine à la Russie, même si je pense qu'il y a un soutien financier, il y a un soutien technologique, peut-être au niveau des semi-conducteurs, mais effectivement, il n'y a pas d'armes, en tous les cas, pas officiellement. Mais sur la partie vassalisation masquée, vous avez une réaction. C'est clair que la Chine avance toujours masquée. Hein. Mais elle...
elle s'étend. Cette coopération de Shanghai, elle prend forme, hein, et elle va de plus en plus loin. Et le Kazakhstan, par exemple, il est même un peu énervé par la Chine, hein, parce qu'il me semble que le Kazakhstan a eu une très très forte influence de la Russie. La plupart des gens parlent russe, enfin, ils suivent les nouvelles en russe et tout et tout. Et la présence lourde des Chinois commence à les irriter. Donc, ça va, c'est très fluctuant, quoi. Je pense que les autres pays, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, tout ça, eux sont assez d'accord pour collaborer avec la Chine, peut-être justement pour faire reculer la Russie, mais c'est pas unanime. Et puis, je voudrais juste rappeler un tout petit détail, mais c'est intéressant pour l'histoire justement de ces relations entre ces deux grands géants. C'était les Jeux olympiques de 2008. Poutine a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il s'est entendu avec la Chine pour ne pas agresser la Géorgie avant la fin des JO. Donc c'est assez étonnant que ce même schéma se soit reproduit pour l'Ukraine. Et ça a remarché, c'est-à-dire que dans les deux cas, la Russie s'est quand même d'abord adressée à la Chine en disant « bon, on va faire ça, est-ce que vous êtes d'accord ?» Et la Chine a dit « on est d'accord, allez-y ». Donc voilà, est-ce que ça va continuer comme ça encore longtemps ? Je crois qu'on est tous d'accord. Hein. Les Chinois attendent ce qui va se passer dans 3-4 mois et puis ils prendront leurs décisions après. En ce qui concerne la question que vous avez posée sur l'éducation et l'enseignement, je remarque que de plus en plus de parents chinois sont absolument ulcérés par la façon dont leurs petits-enfants sont éduqués. Et il y a maintenant une émigration éducative. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de Chinois qui s'en vont faire éduquer leurs enfants en Indonésie, maintenant en Thaïlande. Il y a des villages pratiquement éducatifs, c'est-à-dire qu'ils s'installent même dans des quartiers assez démunis, ils descendent dans leur statut social, mais les enfants sont contents. Ils sont contents d'aller à l'école, ils ont l'impression que justement leur inventivité, leur créativité est favorisée par une éducation qui est beaucoup plus dynamique. Et quand on voit les vidéos à l'heure actuelle des étudiants chinois à l'université, mais c'est affligeant, je suppose que vous en avez vu aussi, mais moi j'ai vu des amphithéâtres d'universitaires, quoi, des jeunes de 20 ans, qui sont tous en train d'annoncer la pensée de Xi Jinping pendant des heures. Enfin, des heures par semaine, pas des heures d'affilée, mais toutes les semaines, il faut faire plusieurs heures de lecture en commun, comme pendant la Révolution culturelle, de la pensée de Xi Jinping. C'est ahurissant, parce que les Chinois ont dépassé ce stade. Ils font partie du monde, quoi qu'il en soit. Ils sont sur WeChat, sur ceci, sur cela. Ils savent comment ça se passe ailleurs. Et j'ai vu aujourd'hui une anecdote qui me semble assez parlante d'un militaire chinois, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui a été viré par Xi Jinping, mais dont le fils, attendez, hein, le fils avait placé des micros dans l'appartement de son père pour informer les Américains. Donc, qui a dévoilé quoi, je ne sais pas. Mais il y a ce phénomène. Il ne faut pas perdre de vue que Xi Jinping a fait éduquer sa fille aux États-Unis. Elle a quand même été à Harvard, quoi. Donc, c'est compliqué, on peut dire, en un mot simple. Et Emmanuel, juste la deuxième question de monsieur sur ce qu'il disait « on » et les Occidentaux, même si je ne sais plus très bien ce que c'est que les Occidentaux, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour affaiblir la relation sino-russe, si c'était le sens de... C'est bien ça le sens de la question, oui. Ouais. Bah, c'est le dossier ukrainien. Enfin, de mon point de vue, là, dans l'immédiat, c'est le sujet ukrainien, donc c'est massivement aidé. Alors, je parle pas indépendamment des institutions à lesquelles je suis plus ou moins rattaché, mais c'est quasiment citoyen, enfin intellectuel ou citoyen, c'est-à-dire que si l'Europe, l'Union européenne et bien évidemment avec nos amis brites et américains, les britanniques et les américains, donc c'est otanien, mais au-delà de la structure otanienne, si on n'a pas un soutien massif à l'Ukraine, on loupe le coche complet, enfin, c'est-à-dire bien évidemment pour soutenir les Ukrainiens dans la guerre contre la Russie, contre les Russes, mais plus largement ça renvoie des équilibres que l'on a décrits et analysés tout au long de la soirée, c'est-à-dire qu'il y a véritablement, fondamentalement un choc
contre les modèles démocratie libérale, contre une certaine idée du système international, contre des logiques mafieuses, criminalo-mafieuses. Donc ça, c'est fondamentalement, a priori, le sujet numéro un. C'est l'Ukraine. Et je peux vous dire que côté chinois, ils ont été quand même assez surpris dans les premières semaines. Après, ils s'adaptent, ils regardent, eux aussi ont des micros partout, y compris à la mairie de Paris. Enfin, ça, c'est pour la... Parce que comme on arrive bientôt à la fin de la soirée, quelques biscuits. Ils ont été surpris dans les premières semaines de la capacité européenne et otanienne à s'organiser et à se mettre en ordre de marche, précisément dans la logique... de soutien à l'Ukraine, y compris même sur le côté sophistiqué diplomatique, pour être soutien otanien sans avoir véritablement d'hommes en treillis sur le territoire ukrainien. Donc là, les Chinois, il y a quelque chose qui les a un peu dépassés, peut même bousculer. Bon, donc ça, c'est très très bon. Je veux dire, c'est très très bon pour nous, c'est très très mauvais pour eux. Le deuxième sujet, et c'est en train de, je trouve, hein, c'est en train d'apparaître, c'est une forme de réveil. De faire le tri entre ce qui a pu être de la naïveté, du cynisme, et un réveil autour de ça, vis-à-vis notamment de ces régimes-là, et en particulier, on a beaucoup parlé de la Russie, mais en particulier de la Chine. Pourquoi cynisme et naïveté ? Parce que ce qui nous a conduit beaucoup dans nos relations avec la Chine, qui est un régime, quand même, il faut le dire, autoritaire, sinon totalitaire, c'était des questions de business, c'était des questions d'argent, donc très, très cynique au fond. Et de naïveté, parce que je pense qu'en particulier en France, continue d'exister une forme de romantisme post-19e siècle, de l'extrême-orient, du mystère, quelque part, quelque chose là-bas de mystérieux qu'il faudrait regarder, etc., bon, qui attire. Fondamentalement, le fait de faire tomber tout ça et de réveil, de mieux faire comprendre comment fonctionnent ces régimes-là, et en particulier le régime chinois, c'est-à-dire de faire de la pédagogie sur... Bah, il est en guerre contre nous-mêmes, juste une parenthèse, puis je serai pas plus long, hein, qu'il y a la guerre. Rappelons-nous qu'il y a 20 ans, est officialisé au plus haut niveau de l'État, et Marie, vous me direz si je raconte des salades, mais la fameuse théorie des trois guerres. Alors, c'est pas une guerre qui est l'usage de la force militaro-industrielle, comme on a pu l'évoquer précédemment, mais qui est une guerre à moindre coût, c'est-à-dire sans tirer un coup de feu. Les trois guerres, c'est la guerre de l'opinion publique. Et là, on retrouve la connivence, la coordination entre tout le spectre des théories, des concepts Dugin et Gerasimov, qui ont leur pendant chinois avec différents penseurs, si je puis dire. Donc, guerre des opinions publiques, c'est retourner les opinions publiques dans les démocraties libérales. Donc, c'est instrumentaliser les faits divers qu'il y a dans la rue parisienne en ce moment. C'est la guerre juridique, changer le droit onusien, post-onusien pour arriver à quelque chose de beaucoup plus cynisé, droit de la mer, droit de tout ce que vous voulez en matière internationale. Et le troisième sujet, c'est là où c'est un peu plus, si je puis dire, englobant et compliqué à appréhender, mais c'est une guerre cognitive, c'est-à-dire changer l'environnement cognitif de l'individu. Et en cela, la technologie, comme Galéa le rappelait, est un vecteur et un outil fondamental pour... L'intelligence artificielle, notamment. Oui, par exemple, TikTok. Ouais. Voilà. Mais ne serait-ce que... C'est pour ça que ça a beaucoup excité les Américains, ne serait-ce que la 5G. Avec une technologie 5G ici, dans la soirée, là, on peut à distance, faire beaucoup, beaucoup de choses en contrôlant un appareil à n'importe quel instant, dans n'importe quel espace, etc. Donc quand vous avez des régimes durs, des dictatures qui disposent de ces technologies-là, on change de monde. Là, la guerre froide, c'était rien à côté. On change d'univers. Donc la fameuse théorie des trois guerres, ça a été officialisé, me semble-t-il, en 2003. On est en 2023. Cette logique-là dure toujours dans l'état d'esprit et dans les modalités offensives du parti-État à Pékin. Donc oui, ils sont en guerre contre nous, mais pas de manière offensive. On n'aura pas un porte-avions, un groupe aéronaval qui va nous envoyer des pélos au large de Brest demain matin. Mais en tout cas, la guerre cognitive de l'opinion et juridique est bien là. Merci pour cette question. On va passer de ce côté-ci un petit peu de la salle, histoire de ne pas faire trop de... Bah, tenez. Ah, bah, il y a le micro juste derrière. Tenez, rien. Oui, on n'a pas parlé de Taïwan. Est-ce que Taïwan va être l'Ukraine de la Chine ?
Galia, est-ce que Taïwan va être l'Ukraine de la Chine ? C'est-à-dire que ces Chinois qui regardent ce qui se passe en Ukraine, est-ce qu'ils se disent que c'est le bon moment d'attaquer Taïwan, c'est le mauvais moment ? Pourquoi ? Quels enseignements ils sont en train de tirer, là, à votre avis, concernant leurs ambitions ? Je ne sais pas quels sont les enseignements, parce que dernièrement, il y a eu plus de menaces pesant sur le Taïwan, il y a eu des manœuvres autour de Taïwan, etc. En même temps, voyons comment l'opération, soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine, se déroule. Sachant aussi que les États-Unis sont derrière Taïwan, sachant que l'armée de Taïwan est superbement bien équipée, je pense que les Chinois comme Marie l'a dit, ne sont jamais pressés. Ils ont une civilisation de 5000 ans. Ils peuvent attendre encore quelques dizaines d'années. Je pense qu'ils vont quand même miser sur le rapprochement. Ils vont peut-être élaborer une autre doctrine de rapprochement économique, culturel, etc. Mais je ne pense pas qu'ils vont rapidement attaquer le Taïwan. Si la Russie avait gagné en Ukraine en quelques jours, comme elle en avait l'intention, ça aurait très fortement incité la Chine communiste. Comme ce n'est pas le cas, je pense qu'ils vont penser deux fois avant de le faire. Jean-Sylvestre, vous avez un avis là-dessus ? La menace existe et à partir de ce moment-là, elle doit être prise en compte. Ensuite, ça dépend surtout de ce que l'on fait. En fait, faut détourner un petit peu les enseignements stoïciens. Il y a les choses qui dépendent de nous, il y a les choses qui ne dépendent pas de nous. Et ce qui dépend de nous, c'est notre capacité à faire front. Et quand je dis nous, c'est finalement la capacité des Occidentaux à s'entendre sur cette question. Il faut s'entendre de l'Ukraine, de l'Europe, plus largement, jusqu'à l'Extrême-Orient, jusqu'à Taïwan. Extrême-Orient en passant par le Moyen-Orient. Et c'est des choses qui sont discutées actuellement, aussi bien dans un format États-Unis, Union européenne, qu'à l'intérieur de l'OTAN en général. On va voir le sommet de Vilnius, les 11 et 12 juillet, normalement, si ma mémoire est bonne. Donc le sommet de l'OTAN. Et le fait est que la Chine a fait partie des questions de sécurité qu'on discute. Et peu à peu, au fil des années, ça s'est imposé. Alors au départ, il y avait un certain nombre de pays à qui traînaient la patte, notamment la France, pour différentes raisons, celles que l'on connaît, ce qu'on pourrait appeler le gaulo-mitterrandisme, pour faire simple, qui ne va pas sans une certaine composante nihiliste, à mon sens. Mais bon, il n'empêche qu'on voit quand même la force des choses. On est bien obligé de prendre en compte la menace chinoise sur Taïwan, parce qu'inévitablement, d'abord, ça aurait des répercussions à l'échelle mondiale. Ça ne serait pas simplement une affaire qui se jouerait en Asie de l'Est, dans le Pacifique occidental, dont on pourrait se désintéresser, d'une part, et puis d'autre part, en fait, la Chine, elle vient à nous. La Chine, ce n'est pas dans un lointain Asie-Pacifique. Le fait est qu'en Europe, en Méditerranée, jusqu'en Baltique, l'alliance entre la Russie et la Chine qui prétend quand même se mêler de questions de sécurité européenne. On peut regarder ça de manière positive, dire il y a peut-être un plan de paix, on ne sait pas, ça pourrait prendre forme. Mais au-delà même de ce plan de paix qui n'en est pas un, en fait, ça serait quand même un renversement historique. Alors, bien sûr, si on se place du point de vue de Dieu, on peut dire pourquoi pas, il n'y a pas de raison que l'Occident conserve. Bon, mais si on se place du point de vue de l'Europe, du point de vue de l'Occident, moi, je ne vois pas ça d'un bon œil, finalement. La Chine qui, finalement, serait partie prenante à des questions de sécurité en Europe et dans son hinterland immédiat. Donc, tout ça rajoute à les questions géoéconomiques, avec des enjeux stratégiques extrêmement importants. C'est ce qui a été abordé à travers les questions technologiques en général. On ne peut pas se désintéresser de la Chine, et la Chine vient à nous. Et au fil des années, on voit que le problème chinois, le problème de sécurité que pose la Chine, il est bel et bien pris en compte à l'intérieur de l'OTAN. L'OTAN renvoyant à l'Occident, finalement. Quand on dit l'OTAN, c'est une synecdoque. Il y a l'OTAN comme organisation, il y a certaines alliances, organisations, c'est plus qu'une alliance, en fait. Il y a des questions, bien sûr, de premier plan qui sont discutées dans ce cadre. Et puis après, il y a l'OTAN comme figure de style qui renvoie finalement à cet Occident, à ce monde atlantique, si on préfère, à centrer sur
sur l'Atlantique Nord. Et bon, bah, y a beaucoup de choses qui se discutent dans le format plutôt États-Unis-Union européenne, puisque pour toutes les questions géoéconomiques, l'Union européenne a son avantage comparatif par rapport à l'OTAN. Bon, il existe aujourd'hui, un, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, un comité des techniques de contrôle qui a été mis en place il y a 2 ans entre les États-Unis et l'Union européenne. Et c'est ce dont on discute, la Chine. Donc ça dépend vraiment de nous. En tout cas, il faut qu'on se concentre sur ce qui dépend de nous et pas simplement spéculer sur la volonté ou les velléités chinoises de passer à l'offensive. Il faut partir du principe que si l'opportunité existe, ils le feront. Et donc, il faut contrecarrer cette grande manœuvre. Marie, je crois que vous voulez... Oui, j'aurais voulu réagir. Ajouter quelque chose. Et pour aller dans le sens de Béatrice, qui dit qu'on ne parle pas assez de la Chine, on a souvent dit que Xi Jinping allait observer ce qui se passait avec l'écrasement de l'Ukraine et si, du coup, il pouvait écraser tranquillement Taïwan. Mais je pense qu'on a complètement oublié quelque chose, et ça, c'est scandaleux, c'est que la Chine a écrasé Hong Kong dans une indifférence absolue et que Poutine a vu ça et qu'il s'est dit « Ah bon, ben on peut écraser un pays démocratique avec un état de droit, des élections... » démocratique, etc., etc., et personne ne réagit. Et là, on a eu terriblement tort. Mais Moi, je me souviens avoir écrit des articles, justement. Liao Yiwu avait écrit un poème extraordinaire. Il avait tout deviné. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Et il avait deviné que Hong Kong était foutu. Mais en l'occurrence, ils l'ont fait par le droit, pas par la force. Non, pas par le droit. Ils l'ont fait essentiellement avec des outils légalistes. Hong Kong devait garder son système jusque 2049. On n'est pas en 2049. Et ils ont fait venir l'armée, la violence, et maintenant, ce sont les arrestations. On va peut-être condamner Jimmy Lai à 75 ans. Là, il va passer en procès, il va peut-être finir sa vie... En prison. Non, mais le droit, quand on condamne un prisonnier politique à 15 ans de prison, c'est pas du droit, ça, c'est de la dictature. La loi. Non, c'est pas la loi, oui, c'est l'arbitraire. C'est leur loi. Oui, mais là, ils ont condamné ils n'ont pas mis Hong Kong à feu et à sang. Si. Non, il y avait des images terribles. La police est venue, elle a terrorisé. On va repasser le film sur la résistance des Hongkongais bientôt. Je vous inviterai à la séance et vous verrez. Hein. Non. Avec plaisir. Non, ça a été extrêmement violent, pas à la façon brutale russe en Ukraine. C'était un peu plus subtil, mais le résultat est le même. Bien sûr. Monsieur Anjou, je crois que vous vouliez poser une question. Vous avez tout à fait raison, madame. Avec du matériel français, d'ailleurs, la répression a eu lieu. Mais ça, c'est un autre problème. Je voulais revenir sur votre avant-dernière intervention, madame Galia. Vous avez parlé de la perception, peut-être, de la démocratie à l'étranger. Moi, je pense pas. C'est par exemple Emmanuel Todd qui dit que 70% de la planète pense que nos démocraties sont pas des démocraties libérales, mais sont des oligarchies libérales. Est-ce que c'est pas là le problème justement? Est-ce qu'il faut pas travailler là-dessus? Où il y a un taux de participation très faible, où il y a un taux de confiance dans les institutions faible, notamment les médias. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Bon, écoutez, je dirais que Emmanuel Todd n'est pas une autorité pour moi. C'était juste une question. Hein. Et que tout ce qu'il dit, je ne commente même pas. Je pense que. En effet, nos démocraties sont imparfaites, que le taux de participation aux élections aurait pu être plus important. Mais je pense aussi que, vous savez, l'un des outils des régimes autocratiques, c'est le populisme. Ce populisme, il est en train de se développer chez nous. Les gilets jaunes ont été
un exemple de cette approche-là, démocratie directe, populisme. On a élu quelqu'un, mais s'il fait quelque chose qui ne nous convient pas, même si c'est annoncé dans son programme, c'est non. Ça n'a rien à voir avec oligarchie, tout ça. C'est simplement un appel mondial aujourd'hui qui est dû en partie au développement d'Internet, à la démocratie directe, telle qu'elle s'exprime sur les réseaux sociaux où chacun a son mot à dire, ce qui d'ailleurs aboutit à des trolls, à des échanges très, très haineux, à un climat de la haine qui s'installe souvent sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, nos démocraties sont imparfaites, mais encore une fois, c'est pas la nouveauté ce que je dis. Pour l'instant, c'est la seule alternative à l'autocratie et à la dictature. Ceci dit, je pense que nous devons aussi beaucoup plus activement combattre le populisme. Je ne sais pas trop comment faire coïncider l'appel à la démocratie directe, au désir de chacun de s'exprimer et pour que son avis personnel soit pris en compte, et la démocratie élective. Certainement, il y a des choses à faire, mais encore une fois... la démocratie élective, où quand même les personnes qui sont élues ont aussi certaines compétences, c'est un modèle qui jusque-là a fait ses preuves. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci encore une fois. Voilà. Merci beaucoup et bonnes vacances à tous. Merci.